29 juillet 1958. François Duvalier met campé yon l'armée civile que le terre les volontaires sécurité nationale, mais que tout le monde terre les Coton Macoute. Vraie raison Coton Macoute là, c'était d'abord permettre que Papa Doc pas prendre en quel coup supprime non mais l'armée qui était fait que chavirer Daniel Fignolé pour mettre le sous pouvoir dans une élection similaire. Mais moun t'a pral comprendre tout de suite que Macoute là c'est une force répression, crasezo pour permettre exaction, pour empêcher toute opposition, pour imposer peuple à revendiquer. Pendant 33 l'année, l'esprit Macoutlan qui était apprendre à l'école, dans l'université, dans l'église, dans le conseil communautaire, dans le mouvement alphabétisation, te fin gaye école net dans tout raccoin la vie pays d'Haïti. Si dans le commencement Macout était là pour craser opposants, rapido presto yo t'a pral commencer mettre étiquette opposant sous tout moun yo te vle voler ou bien faire habit. Les paysans levaient tête pour défendre Mossotel, tout de suite yo craser pour opposant. Les bourgeois pas vle pote coller tout de suite, yo c'est opposant, yo craser yo, yo prend tout ça yo possédé. Tout moun te ka opposant, c'est-à-dire ka moquin, professeur l'école, ouvrier, petit commerçant, couturiers, chanyi, paix, pasteur, ougan, artiste, paysan, employé l'État. Dans toute catégorie ou pas d'accord avec pouvoir que t'es là, dans toute catégorie, personne bat à l'abri. Mais tout c'était cas pour prétexte. Macoute prend prétexte Kamokin, prend prétexte par les gouvernements mal pour faire habit. Qui donc, pouvoir Duvalier Rislan te vin chita sous répression, corruption, vol, habit, et c'est comme Macoute lan qui te potomitan pour voir ça. Depuis 1957, Jouk, rivé dans le gouvernement provisoire, après déchouka Jean-Claude Duvalier 7 février 1986, l'esprit Macoutlan continue de traverser le pouvoir politique là. L'œil a analysé Kounière, il est capable de constater depuis en 1957, François Duvalier n'a pas d'intention de respecter aucun cadre démocratique. Mais c'est dans l'année 1963, il fait qu'on est clé dans qui chemin il bralé. Les miliciens et volontaires de la sécurité nationale du Nord et du Nord-Est. Sachez que la prise du pouvoir et la révolution, c'est quelque chose de sérieux. Je suis un intellectuel, un médecin, qui n'a connu que les livres, mais je vous rappelle que c'est un intellectuel, le plus bel, l'un des plus beaux échantillons de l'intellectualisme de la Grande Russie, qui a organisé l'armée russe aux côtés de Lénine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il donc? Qu'est-ce qu'il y a si un nègre dans le bassin des Caraïbes organise des forces de combat, les soldats et les miliciens, pour faire respecter le sol sacré de sa patrie? Je le fais à l'endroit comme cet homme l'a fait. Je le ferai jusqu'à ce que vous autres, parce que il y a des mots qui ont été prononcés ici. Je le ferai jusqu'à ce que vous autres, vous viendrez vous adjoindre à la milice de Port-au-Prince pour aller me déposer dans le tombeau. Mais ce n'est pas ainsi que je le voudrais. La Marie-Jeanne que vous voyez à mes côtés restera ici au Palais National. Elle n'aura même pas besoin d'assister à mes funérailles. Je n'ai pas besoin de funérailles. Vous irez me déposer dans mon tombeau, dans le fracas des balles et de la mitraille. On ne fait pas une révolution avec de la littérature. Nous entendez samedi, non? Yo pas fait révolution avec littérature. Nous entendez samedi, non? Prends pouvoir des efforts citoyens, parce que dans le premier peloton tactique, j'ai été très content de voir Madame Baptiste, une femme du Nord. Nous passons révolution avec littérature. Révolution égale coup de fusil. Son homme comprenne. Vous comprenez moi? Qui que vous soyez, on pouvoir que le peuple a gommé et que me prend net. Pour nous comprendre des efforts citoyens, je sais que le Nord est très chaud. Attendez. Son homme comprenne. Pour virer corps à droite et à gauche, ma paix bunda au passé dans le pouvoir. L'entendez, bagaille là, on gens, vous comprenez moi? Nous pas besoin l'ordre, nous rentrons par ton prince, nous venons pour s'occuper par ton prince. Alors, c'est l'ordre formel que je vous donne. C'est le chef de la Révolution qui vous parle et qui sera bientôt président affiché de la République. Même si Lénine mélangeait avec littératie, même si discours à tête en bas, parler français tant qu'on parler créole et devant derrière dans confiolo, ça l'était besoin d'y a passer. Craser zo opposant, présidence à vie. Présidence Avia qui pral passer dans main Jean-Claude Duvalier en 71. Après papa li te fin fait connaître, c'est lui qui gagne pour prendre maillette là. Jean-Claude Duvalier vient avec une parole démocratisation. Pourtant système n'a pas changé. Et dans un discours en 1977, il justifiait présidence Avia avec un mot tout haïtien songé en 1985 qui était déjà dans bouche li le ça. Li campé raide tant qu'yon ke macaque. M'abdine Jodia, que même Jean, avec François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, pas point prière. Moi, quand période contre macaque. Moi, quand période qu'aucun macaque. Nous la pirède. Kemacaque l'a cassé 7 février 86. Conseil national gouvernement sous pouvoir. Alors, la répression a continué. Parole dirigeant, ils voulaient faire quoi? Ils prennent chemin démocratie. Élection 29 novembre 87 passée dans 100. Maniga lui-même tout continue à parler démocratie. Nan fit tourner sous coup d'état, il voulait faire quoi tout. Mais tout le monde tendait à faire la mêlée là pour mettre l'ordre par une parole différente à ça qui était habitué à parler en vent. Parce que nous-mêmes, c'est soleil n'a pas gardé. Soleil d'Haïti, soleil nègre d'Haïti, n'aimez-en. Et nous pouvons tirer la défense jusqu'à notre mort, même s'il le faut. Mais tout là, le disposé pour oui. Est-ce que la pour à général le oui, la pour avec. Eh bien non, ça va bien faire. Parce que nous-mêmes, peuple là, nous là, avec la mer, et la mer là avec peuple là, alors qu'il est, c'est pas la mer seulement, non, c'est tout le monde qui est la mer goulière. Parce que c'est la mer ça qui va mener le pays, j'ai pour le mener là. J'ai pour le mener là pour ça. Parole n'a pas changé, arrivé dans Prosper Avril, qui lit même tout, même Jean avec Nanfi, après une première période bouche douce, après une première période côté li essayer faire quoi, li gain intention mener pays à sous route démocratie, li même tout li passer à l'action. Rivé 1er novembre 1989 avec arrestation prisonnier la Toussaint. Discours Prosper Avril vin clair tout. Li sorti Taïwan, côté li déclaré la pimpe dehors tout élément apatride, égal moun qui pas d'accord avec li, moun qui veut revendiquer. Même jour li rentré sur Taïwan, slogan dans la rue marqué avril pour 5 ans. Bio la 4, PDCH, puche ak CTH, badijonné ak matière. Même qualité méthode m'a coûté servi. Yo te continué utiliser après plus passé 30 l'année. Dans tête pouvoir, l'esprit makoutla te continué blahi. Avec vol, corruption, c'est crasé Zoa qui marquait 33 l'année ça yo. Côté plusieurs milliers citoyens perdu la vie yo. Pour en pile citoyen, personne pas connaît dans qui circonstance yo mouri. Mais gen en pile l'autre, circonstance la mort yo pas traité caché. Yo te touye yo devant famille yo, devant amis yo et même sous place publique. Pour un pile monde qui pas connaît époque premier année régime Makoutla, li difficile pour faire une idée qui genre machine répression t'a marché touyer peuple là. Peut-être ça, témoignage nous pral tande là, gen en pile valet. Peut-être tout, nèg k'ap pale a, c'est un ancien attaché ministère intérieur dans poste Kafou. Li té assisté qui Jean Franck Romain, jour qui te vendredi 26 avril 1963 dans Lamentin, détouillé 5 moun. André Riobé, William Théodore, 2 petits garçons Max Vieux, Paul et Didier Vieux, ak yon lot jeune garçon yo pas trivé identifié. C'est un témoignage qui dû en pile, mais il est important pour nous coûter le net. Événement ça passé vendredi qui était 26 avril 1963. Ce moment, c'est dans le poste Kafou que moi étais. Bon. C'est exact. Et que vendredi matin, il était 8h, 8h30 par là. Et que on vient annoncer que il a tiré sur Jean-Claude Duvalier, collège Bède. Donc à ce moment-là, instantanément que nous la venir présenter et que nous garder nos ouais, un certain Henri Tassy, Jean Tassy, viennent passer l'ordre pour fouiller camion, pour fouiller automobile, pour fouiller tout le monde qui a passé dans la voiture. Qui est-ce que tu travaillé dans ce moment-là? À ce moment-là, pas de travail, c'était tout simplement t'es attaché au département de l'intérieur. Donc, tu es en poste Kafou, lors de la Vigne Baye? Oui, et que à ce moment-là, moi j'étais en poste Kafou. Parce que Kaila, que moi j'étais habité, c'est en face poste Carrefour côté Pharmacia Badia. Donc c'est là moi j'étais resté. Donc à ce moment moi j'étais attaché au département intérieur et que chef de division qui donc André François était acclamé moi comme garde-colis. Donc et vendredi à partir de 9h30, 10h moins, m'assistait que André Riobé sorti Port-au-Prince, la pralé Gressier. Dans une voiture Mercedes couleur noire. Donc, à ce moment, il y a un jeune homme qui relait François, qui était milicien lamentin, et que qui était sur place dans Cafoua là devant poste là qui t'a fouillé machine et bien lui arrêté voiture lui fouillé voiture et que lui fin fouillé lui pas une zame lui fait voiture aller qui donc voiture André Riobé qui était siégé sous volant. Wow. Oui, il était pour compte lui, non, mais M. Riobé était dans la voiture pour compte lui seul après aller Gressier. Mais alors, instantanément que Gressier et André Riobé dérapé machine dans l'allée, gagnait major Roumain. À ce moment-là, il était capitaine, mais il était bali, il a titre, il a grade major à Donovès. Or, major a vint paraître réellement, c'est lui qui était commandant et lamenté à ce moment-là. Donc, il vint paraître réellement, François qui était fouillé machine, et François Présidus, comme Dioli, François, c'était lui-même qui était en charge distribution de l'otio dans Carrefour. Or, en même temps, le milicien dans la manteau. Donc, instantanément que les fins fouillés machine dans le vol aller, major Romain vient paraître sortir la manteau. Les major Romain paraître sortir la manteau, ils viennent stationner devant poste là. François dit, mon major, est-ce qu'on connaît, il y a un ennemi gouvernement, un ennemi enchaîné. Gouvernement fait passer là, oui. On fait fin fouiller là, oui. Mais je demande qui, Jean de Monde. François répondit que c'est un certain André Riobé. Il dit, côté-lui. Il dit, mais le fait aller là. Il faut comprendre Mariani. Effectivement, Major Romain a gagné un chauffeur qui était sergent à Donorès à ce moment. Qui était relé Camille. Il fait chauffeur virer machine par là, il va poursuivre André Riobé. Or, tout ça m'a dit là, c'est après 10 major Romain. L'aller va poursuivre André Riobé. Effectivement, après 10 ou 15 minutes, il paraît avec André Riobé et accompagner un milicien dans la machine Riobé et que il fait Riobé retourner dans le poste Carrefour. Riobé siège souvent la machine. C'est Riobé qui vire la machine, il fait virer la machine dans le mi-temps Carrefour là et puis il fait remiser la voiture devant l'église Saint-Charles. Or, et que, à ce moment, Major Romain personnellement descend les procédés arrestation Riobé, les mener Riobé dans le poste là, les finit, c'est lui qui prend clé voiture, les monte vite là, les lock porte là, et puis les retourne, les gagné sergent Kavanak millionnaire. À ce moment, c'est lui qui était en charge poste Carrefour. Il était gagné caporal Sauvé Joseph, qui était ensuite caporal et sergent. Donc, instantanément, que le remette Kavanak clé automobile là, c'est d'après dit major, mais encore en ma face, les relater, les dit major mais consacre, les dit major mais dit sergent que mes clés voiture et que pas livrer la personne parce que comme voiture gagnait un sac, gagnant l'argent la donné, qui non sac. D'après dit M. Obé, il y a 80 000 dollars dans ce sac-là. Par conséquent, Pinga baille personne clé machine. Ok? Il fait M. Obé. Je vais finir de mettre clé à vraiment. Allez qu'il est. Ça qui vient arriver, il finit de faire M. Obé. Et que Major même prend machine par là, machine l'armée, les virer, l'aller, la monter. Une 10h, 10h30 par là. L'aller. L'aller. Donc, après quelques minutes, plus tard, il vient 11h moins, donc il vient paraître. Elle vient paraître, il dit, c'est Jean Kavanak, côté clé Mercedes là. Bon, mani, quelqu'un soit moun qui m'a dit pour machine là, dit que non même pour service gouvernement. Il prend Mercedes là. Là, il fait chauffeur par là, virer machine. La mea, ils tous les deux aller la monter. Ok, ça se passe. Eh bien, 11h, 11h30, division 1 vient chercher moi, André François, qui était chef de division département de l'intérieur à ce moment-là. André François vient chercher moi, moi déplacé avec André François, or, nous fait travail. Fini, midi et demi, par là et que division vient déposer moi dans poste Carrefour. Encore, les mêmes là manger, les dit al manger. Donc réellement, moi chita dans poste là, j'ai un anti malheureuse qui était qu'on fait moi sur manger pour moi parce que me battre comme mari à ce moment-là. Donc et que malheureuse là pour te manger à mettre dans poste là pour moi, donc viens pour manger à toi. Pendant que m'entrer dans le poste là, m'a parlé avec Sergent Kavanak. C'est alors que m'entendait, yon moun dit, Yvon, m'a dit qui moun? Moun a dit William. M'dit qui William ça? Il dit ouais, William Théodore. Malgré ça, m'a rappelé moi de Théodore. Moi dit qui moun qui connaît nom bien comme ça? Il dit, William répond moi, il dit que c'est petite Mina Péral. Quand il dit ça, moi rappelé, et puis, moi m'a dit, Sergent Kavanak, prêtez-moi clé cellule là. Mauvais prison, moi, relais William vient camper dans la porte prison, il parle avec moi. L'a accompagné deux petits messieurs Max Vieux et yon inconnu que je ne connais pas avec André Riobé que je joins coupé dans la cellule là. Qui nous fait connaître ces deux petits messieurs Vieux qui étaient dans cette cellule? Mais comment me faire connaître? C'est William m'a demandé pour moi de penser que c'est à voiture papa li sorti sans licence que c'est raison ça qui fait me déposer William question comment ça l'appelle là. William c'est alors qu'il dit ouais, que c'est avec des petits amis petit agronome Max Vieux qui condiscipline et que qui prend ni maman pas même connaît si la baigné la main frappée. Donc c'est petit monsieur qui prend pour Albéien, l'en met frappé, donc à ce moment-là, et que il paraît dans poste carrefour, et puis il a arrêté les trois dans le jeep là. Or, l'elle dit ça, me dit, ça tu monsieur gagné, pour qui ça arrêté nous, ça nous gagné. William dit que c'est une question de si monsieur gagne grand frère, il dit que t'as scandalisé le gouvernement dans la radio. Alors c'est base ça qui cause que vous avez procédé à l'arrestation des trois. Ok. Effectivement, moi fait William sorti de celui-là, moi prends William, moi fait mes portes là, moi prends William, moi rentré dans le réfectoire réellement. Plan n'a pas divisé manger à me démanger, donc je mettais manger pour lui, je fais le manger, je mange ensemble avec lui, je finis, je sorti, je quitté William, campé dans le réfectoire, à continuer à manger, je m'ai acheté 2 bouteilles de jus corosol. Et que je finis, je bats William yon, je prends yon, je brel, et puis je finis, William dit moi que ils vont et que en l'autre moment, moi gagné l'argent dans bourse moi, les noms mes sergents. Donc en l'autre moment, m'apprend maman des sergents bourse là, m'apprend 5 gouttes, m'abord 5 gouttes tant pris pour aller Pétionville dans Rivilat numéro 4. On va l'expliquer maman ça. Donc maman va dégager le mettez-moi dehors. Je réponds oui, réellement. Bon, ça passe. Je finis. Je ferme William dans cellule-là encore. Et puis, dehors. Ok. Il vient 1 heure. 1 heure et quart. 1 heure et demie par là. Regardez, moi, Major Romain vient me présenter. Encore. Dans la machine, l'armée, il fait Sergent Camille virer derrière voiture et camionnette là, mettez en face poste capois, en face porte là. Donc, il dit, Sergent Kavanak, ça est Major Franck Romain, oui, qui a passé l'autre là comme ça. Il dit, Sergent Kavanak, il y a 2-3 types pour là, ben moi, je me descends en bas avec vous. Donc, les gens allaient l'ouvert et porte là, ils prennent 5 messieurs. André Riobé, William, 2 petits messieurs vieux, accompagnés d'un inconnu que je ne connais pas. Ils font remonter la machine. Pendant que remonter la machine, ils chita, ces gens même, ouvrent tiroir, ils prennent bourse. Il prend goumette, il prend chaîne, il prend mouchoyo, goumette, chaîne, boussio. Il remet chaque monde dans la machine pour réclamer et faire paille. Donc, c'est alors que William ouvre le portefeuille, il relève encore, dit Yvon, mets 5 gouttes là. Pour payer machine à Pétionville, caille maman dans Rivilat, numéro 4. Elle parle maman pour moi, dit que et arrêté moi ensemble avec petit monsieur vieux. Or, pour maman faire des marches la game. Moi, pour ni oui, je prends 5 gouttes là. Il dit, pinga, vous parlez non? Je dis, ah mon cher William, si je suis capable de mettre dehors, je ne vais pas tant mal caille maman. Donc, naturel, et que c'est parce que moi, peu dans le gouvernement qui ne fait pas qu'à mettre au dehors, mais on se service comme ça. Si je suis certain, je prends le cas maman. Même côté, Major Romain vient l'arrêter. Major Franck Romain, procédé d'arrestation, il baille ces gens comme diagnostic et que l'IFM pour avoir que m'a prends l'argent dans mes Camoquins pour me défendre Camoquins. Or, les sergents appris, ils disent, oh, on a pris un don, sergent. Côté cahier, bon cahier. Lui-même, il prend cahier dans mes sergents, il rentre non, il signe en bas que c'est lui qui fait même. Ok, moi je fais même dans le poste. Lui-même, l'aller la matin avec monsieur. Ok, je fais même. Vers les 2h, 2h15 de l'après-midi, division a trouvé, vient chercher dans le poste Carrefour pour me sortir avec lui. Donc, la division vient chercher moi pour me sortir avec lui. Ces gens encore tournent, disent que c'est major mais fermé. Ouais. Pour qui ça? Pour avoir que je prends l'argent dans mes Camoquins pour me défendre Camoquins. Donc, à l'équilibre, division, même mauvais, division dit que ils vont pas gendarme. C'est si des gendarmes que Major Metagen doit faire même. Même son simple attaché département intérieur, c'est lui qui acclamé ouais, comme garde colis. Donc, pas de pendant Major mais il pas gain droit faire même. Mettez-moi dehors. Sergent dit non et division. Et que Major tellement prend ça au sérieux, c'est lui qui prend Kaya, l'entrée non, ils vont dans Kaya, les signes en bas que c'est lui qui fait même. Donc il n'est pas qu'à la guerre. Division dit que comment ces gens, ou pas reconnaître moi comme chef de division département de l'intérieur, ou pas qu'on est Major, mais dépend de moi. Moi, je dis que la guerre, je n'en dis non. Et puis, Sergent dit, répliquer toujours, division décaillé, lui-même à l'équilibre, lui rentrer, liberté, moi, dans le même cahier, plus bas, que dit que c'est lui qui l'a game. La voilà que moi la matin devant Major. Ok, Sergent accepté vraiment, les divisions signées dans le cahier, mettez-moi en liberté. Montez 229. Dans la machine, non, m'allais, division à la moins lamentin. L'arrivée lamentin, la jeune Major Romain, pour Major Romain, d'accord avec liberté que le mettait maintenant, Major Romain refusé. Major Romain dit que c'est l'argent pour ramasser dans mes Camoquins. Donc, et que si pour la game, c'est devant le président de la République pour la game. Division font collet, il dit, puisque c'est devant le président pour la gueule, on allait. Ou qu'on n'aime pas qu'à faire parler national là. On allait. Les tiens, Major mais tiens pour division femme descendre voiture 229 là pour mal monter dans la machine de l'armée. Nous arrivons dans le palais, à peine nous stationnés devant l'ascenseur là, et puis nous regardons nos. Major Romain est stationné des deux. Donc, qui fait, c'est nous trois qui montons dans l'ascenseur, monter en l'air. Nous montons dans le, réellement, deux gros yo, en frappé porte là, yo rentré. Division ferme campé dehors. Donc, Mbakadou, ça yo te dit, ça l'autre te dit, président Mbakon rien, ça l'autre te dit. Donc, ça après, un quart d'heure, une demi-heure, que je regarde ma division, je viens pour m'entrer. Les m'entrer, effectivement, vraiment m'entrer, les m'entrer me joignent. Et Major Chita vers la gauche. Président, moi joigne Luc François, qui était ministre intérieur. À ce moment, Chita côté président, division Chita côté Luc François, et puis moi-même campé en face président. Et puis, président m'a posé Major Romain question. Major Romain allait qu'il ait répété, lui dit que c'est attaché ça, qu'a ramassé l'argent nan men Camoquin pour défendre Camoquin. L'expliquer, fini expliquer vraiment. Moi-même, président vient poser une question. Me dit, président, et chasse pas, ouais, pas de gon goud à la pas de 5 gouttes là que dans poche ouais, à ce moment. Donc, on te fait maintenant en prison, c'est pas pour dire me serrer l'argent, on pas bien l'autre cop dans poche, c'est seulement 5 gouttes là qui était dans poche ouais. Eh bien, président vient poser une question. Moi, je les 5 gouttes là dans poche chemise ouais. Moi, présenté président me dit président que petit garçon, c'est petite sœur ouais. Comprendre? Moi, je dis, président, pour me bénéficier, petit garçon, oui. Moi, je dis, petit garçon, c'est petite sœur, moi. Donc, petit garçon est arrêté, lui, dans un jeep accompagné de les autres. Donc, je ne connais pas si c'est pas de police, si c'est pas de connais pour qui cause. Donc, petit garçon, seulement, longer 5 gouttes de moi, les parler, me disent que mort et Pétionville pour lui. Pour mal parler, maman, dans rue Villate, numéro 4, mal expliqué, maman, dit dans prison, pour maman, faire des marches, la gueule. Mais tout bagaille là. Même côté, petit garçon a fini, bon, 5 gouttes là, il parlait bien fort, il dit que, allez, Pétionville, dans rue Villate, numéro 4, allez parler, maman, pour moi, dit que, et arrêtez, parce que maman, pas, même connaît si me sorti. Et puis, même côté, major mes procès d'arrestation. Moi-même, ils vont aller qu'il est, qu'à prendre l'argent pour défendre Camoquin. Ils ferment, ouais, pour avoir que m'a ramassé l'argent dans mes Camoquin. Même côté, m'explique le président ça. Président, ouais, c'est 5 gouttes là, qui n'en poche moins, m'tourne toute poche moins, l'envers, montre président que m'bagaine l'autre comme encore, c'est celle 5 gouttes là, tigation en bas, ouais, pour mal parler, maman, pour me payer location. Pour mal parler maman. Donc c'est alors que c'est pour ça major m'a fait même. Alors qu'il est président, malgré président encore le même jour, président en chimère et que président posé assassin. Major Franck Romain. Question encore. Il dit que si c'est à vous qui t'a gagné un neveu, une famille, une race que il y a un procès d'arrestation où tu apparaît, c'est où qui paraît, est-ce qu'elle va t'apprendre l'eau? Mon cher, regardez, non. Alba, jeune homme, petit garçon, attendez. Alba est attaché à petit garçon. Et puis, c'est là que m'explique le président, toute bagaille textuellement, ok, il répond oui devant le président, lui-même assassin, hein, Franck Romain. Il m'a demandé président. Il dit président oui, que l'ordre la président passé là, l'accepter la pour le bon. Ok. À ce moment, il vient 3h30 par là. Dans 3h30 que il vient par là, donc, avec qu'il est division arrêtée, on beaucoup de temps à attendre pour aller lamenter pour l'album William Théodore. Il était fait démagogie, fait vin 4h, 4h15 par là encore. Donc, alors qu'il est division, Jim en allait, lamentin, en allait chercher William. D'accord. Division descend avec, en allait, lamentin. Là, nous t'es arrivé lamentin, au moins de 5h, 5h par là, 5h15 par là. Nous chita, division chita avec pour sauver la vie William Bamouin. Les chita avaient arrivé jusqu'à 8h15 du soir. Et que, à tant de major ou mais, vin la matin pour bailler l'ordre, mettez William dehors. Il n'a jamais metté pied. Il n'a jamais metté pied du tout la matin. De 2h30 à 3h30 que nous allons au palais à Pauvigny. Et 5h que nous venons lamenter, venons tendre visite là. Pas jamais mettre pied lamenter encore. Ok, là, il était 8h15, division dit que ils vont 8h15, je ne suis pas prêt encore. Donc demain matin, je vais venir chercher ce garçon. On allait. Réellement, effectivement, nous allons, division arrivée dans le poste pour encore, ils descendent, nous baillons contre audience et puis finit l'aller. Donc, là, le dormi. Division, nous restons là. Mais moi, qui comme sur le tapis, m'a pétanne pour me bénéficier William, pour mettre William même dormi. Dans la chambre, parce que la chambre côté m'était restée, c'est en face, poste Capoua, c'est là où vient faire pharmacie, c'est là où vient bâtir une pharmacie. Donc, nous avons mis William dormi, quel que soit l'heure qui t'a accepté par moi, nous avons mis William dormi, la caille, et puis dans le même matin, nous avons accompagné le malmené, nous avons. Au résumé, l'assassin va jamais mettre pied. Au contraire, quand l'homme vient ouais major Oumé, il était 11h, 11h15 par là, du soir, le même vendredi soir. Donc, à l'équilibre, l'elle paraît, il paraît dans la machine avec un civil que je ne connais pas. Il campait, il relève Sergent Kavanak encore. Sergent Kavanak, ben moins deux miliciens armés de fusils. Ok? Qui laisse miliciens caler? Joigni, c'est un certain Canès avec un certain Béthier. Mais m'bakon non yo, c'est prénom yo m'connais. Donc, Canès avec Béthier monte machine. Y aller, aller, nous va attendre de bruit même. Minuit, minuit et demi par là, nous garder, nous ouais, major même vient paraître. Côté milicien yo, nous va ouais, moi milicien. Côté civil qui était dans des machines, moi civil. Ok. S'arrêter, parce que nous avons qui a posé la question, côté miliciens était sorti, nous avons dit. Ok? Qui Salvin fait? Il vient paraître avec chauffeur, un certain Camille qui chauffeur, qui était sergent, avec un lieutenant, un sous-lieutenant, qui était relé Tiwil. Qui te connaît exercice avec monsieur en dans la matin. Il vient paraître, il prend groupe, tafiate, pareil lio, il forme yon ron. Nous connaissons Kafoua, très bien. Or, Kafoua, m'a si nous rappelons nous, Kafoua te gon gros pièce à billet, nan mi temps, route, pour descendre dans le Kafoua, pour descendre en dedans. Et bah, il route en dedans. Donc, les formés, ils prennent tous messieurs miliciens, gendarmes, qui étaient connus ensemble avec Clio. Ils forment un camp, tout rond, parce qu'on connaît que les couvre-feu, pas de machine qui monte et descend, pas de monde qui monte et descend dans la ria. Donc, et que couvre-feu, or, il y a même autorité qui te droit dans la rue, et que yo couronné dans mi-temps Kafoua, et puis, le gouvernement te bali, il y a une camionnette chargée, whisky, rhum, soda, coca, cola, ceci, sandwich, c'est là, bagaille, tout bagaille, ça a été dans des camionnettes là, et puis, yo chita. Et à Boué, la passé lieutenant dans Tintin, il dit, monsieur Milicien, mais tu lieutenant nous, que tu qu'on fait exercice avec nous, mais tu oui, ou pas Boué, mais lieutenant tout minoté. Ok, la passé dans Tintin, moi, je me campais, je assisté toute bagaille ça. Je vais l'expliquer. Et que, c'est. Pendant que les chita, la boue, la passe lieutenant l'entretien, la passe Thierry l'entretien. Je vais répondre aux questions. Or, et que ça c'est le moment que moi-même, ma père de mon travail m'a demandé côté Béthier, côté Canès, en tant que milicien qui était là, observé avec nous, là dans le poste là. Donc, on demandé ça, mais ou pas qu'à dire ça, ou pas qu'à demander qui ça le fait, qui c'est dans le poste météo, c'est pas dans le poste, donc nous ne pas connaît. Ok, ça vient vivre. 2 heures, 2 heures et quart, il restait chita jusqu'à 2 heures et quart, il a boit. Donc, il restait chita jusqu'à 2 heures et quart du matin. C'est 2 heures que Yovin, Major Romain vient lever, il dit, il garde dans mon lit, il dit à 2 heures et quart, monsieur Mbralé, il y a des trois petits poules en bas, ma voile souper. Quand ça dit ça. Donc, effectivement, vraiment, il levé, il fait le lieutenant monter dans la machine, et puis, il a dérapé, il allait. Ok. 2h45 du matin. Alors, samedi 27 du matin à 2h45 du matin, gagné, il y a une ambulance qui vient paraître. Il y a une ambulance qui vient paraître. Il y a une voiture qui vient paraître. Or, tu as un sentinelle qui te siégé dans le poste là, qui te relé à Nol. On garde grande hauteur, noir. Et que sentinelle là reste stoppé machine. Il demande identification chauffeur. Chauffeur descend, il fait chauffeur descendre, chauffeur seulement descendre, des mains levées en haut et virer face ou marcher par dos, vin joindre. Chauffeur vini vraiment, Jean San Mexico là, donc à l'équilibre, il fini, il m'a demandé chauffeur, et demandé chauffeur, quand elle peut aller, il dit que c'est Major Romain qui téléphone qui mandait pour ambulance là, vini la matin. Or, entre parenthèses, m'pi quoi que chauffeur, il était milicien. Parce que tout chauffeur ambulance ça yo, et à ce moment-là, tout est milicien. Or, à l'air qu'il est, les garde la fin identifié chauffeur, il fait chauffeur aller, avancer, lui stopper encore, lui demander pour chauffeur éteindre lumière devant et que lumière en dedans ambulance là. Effectivement, vraiment, chauffeur fait ça, lui avancer, il arrive dans le poste là, il stationner encore. Donc, à l'air qu'il est, moi-même personnellement, en qualité d'attaché département d'intérieur et que malem m'te gen opportunité pour m'te proche garder en ambulance là tout. Donc mal gardé, moi ouais que c'est 2 garçons travailleurs ambulance là yo qui chita en ambulance là, donc m'ba rien encore dans ambulance là. OK. Garde la voyez, ambulance là, allez, la matin. 3h40 du matin, ambulance là retourné. Je raltais le même genre, garde la raltais le même genre encore. Allez qu'il est, je fais le même bagaille, je fais l'avancée, éteins lumière de Fayo, éteignent et que lui fait lumière en d'ambulance là. Moi-même encore, monsieur m'a dit à toute sincérité, je suis satisfait à ce que nous prenions 4 départements intérieurs qui permettent de capable d'assister à toute cette cérémonie-là. Vous comprenez? Parce que si vous ne procédez pas en 4, vous n'êtes pas capable d'assister à tout épisode. Donc, je suis allé, instantanément que garde là, fait lumière en dedans. Ambulance là, mal gardé, moi, ouais, William, moi, ouais, Déti, monsieur Vieux, moi, ouais, André Riobé, ainsi que jeune homme inconnu pour moi, que m'ba connais. 5 cadavres. Yon pas mouri, je fermé. Tout mouri, je ouvert. De deux, pas de yon calé avec une chaîne. Pas de yon calé avec un brassard. Pas de yon calé avec un montre. N'a pas yon calé avec un gourmet. Parce que tout bas, ça aurait été lamenté. Les ambulances a retourné, des messieurs Sayo chita devant avec chauffeur. Hop, allez qu'il est, nous finissons de constater, les gars de moi, William mourit, je ne vais pas procéder encore. Je ne vais pas procéder. Donc, et que je fais semaine sans me passer à dormir, même, je ne suis pas capable de dormir. Ok, bah, là, je ne suis pas capable de dire rien, je ne suis pas capable de parler, ok. Papa William vient présenter dimanche, non, même samedi, dans l'après-midi, samedi 27 là. Papa William vient paraître, vient côté moi parce que papa qu'on aime faire bien, qu'on aime petit monde. Donc, papa vient côté moi. Le papa vient côté pendant que je suis sorti dans le poste carrefour, en dedans, et puis je me tombe sur Justin. Et puis, regardez-moi, juste à bien côté, l'eau coule dans le jambon pour virer d'eau, bail, juste m'entrer dans le poste là. M'ba gen courage pour m'aille parler avec Justin encore. Ok, Justin, allez. Dimanche, il voyait mon relève. Il dit non, m'ba capable, m'ba ka sorti. Qui moun? C'est à dire Richard. Mon gonaïve, il voyait venir les moi. Il a dit que je ne vais pas aller. Tout ça, le père me dit non. Ok? S'arrêter dimanche après-midi, a dit que ses amis moyens viennent pour m'expliquer ça. Malé, ma parle a dit parler de poste là, à Kayadi tout près, donc je suis arrivé Kayadi, M. Tamapexli qui a dit comment les garçons ont mouru. Et puis, regardez-moi, pendant que ma parle a dit, regardez-moi, Justin sorti en temps, chambre à Diricha, une parée. Global carité à toi, non, monsieur. Alors qu'il est. Moi, je dis, Justin, son seul bail que me dit, Justin, quelqu'un soit moun qui vient demander 1 goud, qui vient demander 50 goud, qui vient demander 2 goudins, qui vient demander 10 000 $ que la poêle mette William dehors. Dis merci, que le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Et que c'est bon Dieu qui te baoule, ou perdule, et que connaissez bon Dieu qui prend. Ou fini. Eh bien, ok, s'arrêter, minime viré, mal. Mais alors, c'est après toute catastrophe, ça, nous venons connaître que des miliciens, que Major Mette prend, Canès et Béthier, et civils qui étaient montés dans la machine, hein. C'est dans le coffre fort. André Obé, il est allé, même la nuit là, des miliciens, il est allé là, c'est pour te courir derrière paquet de travailleurs que Obé te gagné, qui a dormi en bas de l'anga, la Kaili. Oh, on t'a mené des témoins, oui, mais on t'a cherché des témoins, toujours, mais on ne connaît pas qui raison que je cherche des témoins, parce que moun yo peur tout moun yo qui était en face Kayobea qui t'a pas assisté opération que miliciens t'a couru derrière travailleurs employés qui t'a dormi en batrangayo or et que et monsieur en civil là que le témené pour manœuvrer appareil sous dialétogène qui coupait des coffres forts donc tout le monde ça yo t'es rete la caillou que yo pas te ka sorti ou qu'on gen couvrir feu donc yo pas ka sorti mais yo ouais manœuvre qu'a fait l'autre bois parce que malgré que yo te éteint toute lumière mais cependant yo te ouais que c'est même voiture et même voiture et la montagne la mer qui te vini c'est lui qui vini courir derrière moun yo yo boté l'argent juste au rat boté l'argent metté dans coffre fort dans fait noir l'argent le même matin moun joine billet $10 billet $20 à terme bagalerie pour sortir à les côté machine dans hier hier donc et que s'arrêter oh. 2 jours côté Béthier côté madame ni tombé madame Béthier tombé dans la riato pour le jeune mari mais et major était tout puissant l'air tout le monde pas qu'à dire rien parce que son seul bagage qui s'en cachette pour dire madame non que c'est major mais que t'es sorti avec Béthier avec Canès mais n'a pas monde qui a parlé fort eh bien c'est m'pas songer qui arrestation qui te gagné dans Kafou même et que le capitaine Henri Tassy trouvé vinn paraître ensemble avec Louis Smith vinn paraître dans mi-temps Kafou donc avec les madame prend chaîne c'est si c'est là pour Maril mourir Maril quitter 5 petites nan pour le joindre pas qu'à joindre donc tomber pe scandale yo fait madame nan monter machine m'bakadou si c'est devant président Temenen si c'est derrière président m'bakadou mais pour madame nan te fermer bouche li yo fait même yo ba madame nan yon l'argent pour le manger à petite li pour fermer bouche li à ce sujet qui fait pour jusqu'à maintenant Béthier pas jamais présenté, ni Canès pas jamais présenté, donc, et que c'est par la voie indirecte, nous venons connaître que c'est mon bateau, major ou mais, rete, li rentré dans bord mer, dans baril, dans mer, dans route là, il est les messieurs, tant qu'on a dit, c'est quelque bagaille, il découvrit. Et puis c'est là, il faisait ni Béthier, ni Canès, ni Boss qui t'a manœuvré et appareil sous dialétogène. Donc, et que pour voir un homme, personne n'a qu'à dire rien. Parce que à ce moment-là, de Major Franck Romain, paraît dans le palais, c'était pareil, ni terrible, et assassin pareil. Président Duvalier, c'est passé maintenant pour parrain, l'Albama parrain n'importe qui menti, là dit n'importe qui bagaille. Donc c'était comme ça. Qui fait nous souffrir toute bagaille ça yo, va me dire mais quand Babouquette la vient tomber là. Moi même personnellement, pas de ni la famille Théodore, pas de la famille Vieux, pas de la famille Riobé, moi même personnellement, je suis responsable pour me condamner Franck Romain jusqu'à l'instruction faux parce que raison pour laquelle et que je pose plainte, je relève la police, je baille déclaration tellement que Major Franck Romain répond dans la question que je t'ai posée. Il dit que songe que t'arrête un certain William Théodore. Même côté, me fait greffier tribunal d'enquête là écrit Moi, ça me dit, écrit pour moi, Major Rebu, qui était en chef d'enquête là, et il était sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Enfin, oubliez le nom, sous-lieutenant. Qui était greffier, qui a écrit, moi, demandé Major Rebu pour écrire, moi, ça que assassin Franck Romain répond qu'il dit qu'il songeait qu'il t'a arrêté. Et on certain, oui, il t'a arrêté, on certain William Théodore. Donc, moi-même, il dit que le passant, je le possédé d'arrestation. Même quand il dit ça, moi-même, le président d'enquête, là encore, pour voyer chercher, cahier des gardes dans le poste Capou, mois d'avril 63, 27 avril 63, vous cherchez cahier ça pour ouais que signature major que côté le te fermé ouais pour dire que le patron au résumé yo voyez mal dit que les ont besoin y a relem au résumé si au relem c'est jodi a c'est par la voie indirecte entendez que yo fait connaître ça c'est la police. C'est la police qui dit, et c'est enquête, département d'enquête là qui dit, il dit que la famille Théodore renoncer, la famille Vieux renoncer, la famille Riobé renoncer à plainte que ont été fait pour Major Franck Romain. Mais moi, je ne comprends rien, tandis que la famille Théodore et la famille Vieux et la famille Riobé persistait en rien dans la disparition ce monsieur-là. Donc c'est moi seul qui était victime que m'yot arrêté. Si c'est pas des divisions, les constats sont pas bons pour faire bouton. Donc en tout naturel, c'est ça que fait, moi vin ici, moi mandé que pour yo mandé commission d'enquête là, tribunal d'enquête là, et que pour qui raison que yo téré la police que pour me al poser telle question que te poser telle question. Alors c'est ça que fait m'vin là, vin m'expliquer nous comment bail là. Non, l'elle quitté à 2h15, il sorti dans poste pour aller la matin comme je viens de dire et que moi dire que c'est étant nous chita dans poste là que nous tendez les 5 cartouches relatées et la matin, donc, à ce moment-là, et que m'pakal dorm encore. À l'aise, depuis nan point bris, comme m'te dit, m'en dit encore que te gen couvre-feu, pas de camion, qui pas de tout café, tout dancing fermé, pas de monde, tout le monde couché la caillou, non, est à silence, donc naturel, quel qu'en soit bris à qui fait là. Nous tendons à clair. Tant qu'on a dit, c'est dans le poste à retirer. Nous tendons. Nous sommes là, samedi 27 avril, et dans l'après-midi, c'est pour parler de l'histoire d'arrestation Hector Riobé. Hector Riobé, il est le fils de André Riobé. C'est petit André Riobé lié. Donc, les gardés, li ouais papa le sorti la caille depuis vendredi 27 avril, bah la chaud, li gade le ouais papa le pas rentré vendredi soir, li gade le ouais samedi matin, li pas ouais papa. Donc à ce moment-là, la prale sur les lieux gressier, la li sorti Port-au-Prince, la prale gressier pour la ouais côté papa lié. Donc et que li rivé dans poste Capou, il doit être 8h30 du matin. Donc à l'équilibre, ils ont procédé à l'arrestation et quand ils ont béatant, ils ont fait même dans le poste Capou. Or, les ont fait même Hector Riobé, donc ils gagnaient un certain Jusnès Chéribet qui, de Gressier, origine c'est mon Gressier, lui habitait Gressier, l'habitait tout près avec papa Hector Riobé. Donc, l'eltendé Hector Riobé, il a procédé d'arrestation Hector Riobé. Il était occupé un grand rôle dans le gouvernement parce que c'était ami docteur François Duvalier. Donc, à l'équilibre, il est venu greffier il vient Kafou, l'entendait que Hector Yobé fait maintenant poste Kafou, il vient. C'est jour ça tout, samedi matin que moi me reconnaître Chéribet, Jusnès Chéribet. Donc c'est même jour ça tout me reconnaître lui. Chéribet vient, l'a expliqué Major Romain qui était accompagné et Edna Pajot qui était accompagné un groupe de messieurs. Donc, la expliqué que Hector Yobé passé 9 mois et demi à Papal pour affaires de la politique. Il dit que l'école, ça c'est Hector Yobé qui a expliqué ça, oui. Chéribet a expliqué, dit que Hector Yobé dit que l'école aux États-Unis, il ouais que 2 personnes posés candidats à la présidence, ils ont fini élu, l'autre là qui victime, non? Donc, à l'équilibre, il présentait toute doléance à ça qui remportait la victoire. Donc, ils ont collaboré pour faire payer au marché. Donc, et que les ouais papa était posé candidat à la députation dans le camp lui de joie perdu. Donc, il n'y a pas de raison pour la paix. Et maintenant, Gonzizani, il retourne qu'il a arrêté papa, il retourne bagage, il dit pas accepter ça. Donc, il parlait pour papa le parler dans ma comme ça. Donc, il a été passé 9 mois et demi à papa, donc il n'a pas mettre pied à papa pour tête après politique. Donc, quand y a, si papa est victime, lui-même, c'est ça, Chéribet vient défendre. Chéribet dit qu'il n'est pas qu'à victime parce qu'il n'est pas accepté. Il n'est pas d'accord à papa. Donc, Chéribet bat vrai, Major m'a refusé. Major m'a même dit que c'est pour l'argent, c'est l'argent, Chéribet a défendre dans Hector Yobé. Donc, il refusait la gueule. Chéribet même quitté haut dans ce gouvernement, Chéribet a joint le président. Et que lui communique au président, l'explique au président, ceci, cela, toute bagaille. Le président Hector Yobé fait samedi 27, dimanche 28, lundi 29, mardi 30, mercredi 1er mai, et jeudi 2 mai, vendredi 3 mai, président réussit à accepter la guerre. Hector. Donc c'est là où la guerre Hector vient connaître que papa le mourit. Il descend, Gressier, il dit, ouais, ça, assassin a fait. Non, coffre pour papa, lui. Donc, à l'équilibre, Hector vient en diable à toi, à l'équilibre qui fait, il tombe dans Zach que il est tombé. Or, et que si Chéribet t'es petit dans le gouvernement, et que Zolpat va pour faire bouton qu'on y a. Parce que, beaucoup mettent à puiser Chéribet pour avoir qu'il t'a demandé, libérer Hector Yobé. Alors, mais c'est ça seulement que je connais. C'est-à-dire que chauffeur ambulance, comme je dis, je ne connais pas. Je me demande pour lui pendant que Babouquet l'a tombé là. Je me demande pour lui. Il mourit. Il gagne, on l'autre garde encore, Vicesse Innocent, qui était là, il mourit. Il gagne, Sauvé Joseph là, qui était caporal. Comme subalterne, c'est j'en ai pas qu'à fois. Il mourit tout. Qui will passer parmi Kalalou, je vais pour juger aujourd'hui. Camille, il était lieutenant, il était arrivé lieutenant, il l'a toujours. Il y a Sergent Kavanak, millionnaire, qui était chargé pour ça. Mais oui. Sergent Kavanak est encore vivant et Sergent Kavanak vivant. Enfin, procédure, même gardant posé André Dayotakabaiba, mais ce qui s'est passé, moi, je demandais. commission d'enquête là pour voyer chercher cahier mois d'avril 63 parce que je pensais que à la minute que il y a procès d'arrestation, il y a un individu quelconque, il a obtenu compte que pour y rentrer non dans cahier immédiatement. Je pensais que c'est comme ça s'appelle depuis tout le temps. Or, et que je cahier ça, cahier mois cahier que dans poste pour mois d'avril 63. Donc et que puis m'pin bail comme ça bail déclaration mandé cahier et que commission d'enquête répond moi oui que la rempli formalité a ceci. On s'y attaché ça, je nous fait tondé là. Monsieur était paré pour témoigner sous saleté ouais. Mais autorité yo pas trop recevoir plainte li. Même Jean a campil l'autre assassin, Franck Romain te continue à marcher sous monde sans répondre sous aucune accusation yo te metté sous lui. Et 25 l'année après, Franck Romain te dans tête machine l'en mort qui t'a pral passer sous Saint-Jean-Bosco dimanche 11 septembre 88 là. Franck Romain, ensemble avec Pensa, ensemble avec Divers, nous offrons toute l'église d'Haïti, tout peuple haïtien et tout le monde qui est solidaire à ce peuple là. Aidez nous marcher, pour nous aider notre marché. Marcher à croire pour délivrer la rive un jour, parce que croire, ce n'est pas une croix libération, une croix résignation, mais c'est une croix libération. Faites marcher avec tout partout et pour tout le temps cap qui est temps. Remettez-la avec nous tous. On ne le fait qu'à nos biens. On nous dit bon Dieu qu'on mette nos merci. Oui, on mérite ça réellement vrai. C'est un devoir pour nous, pour nous dire merci. Les nous connaissons qui gens pour mériter merci ça. Les nous qui gens pour ne pas accepter pour te porter au vieux quoi esclavage et on pas d'accord pour nous porter, mais c'est on quoi liberté au porter et on d'accord pour nous porter. Pendant la dit merci, pendant la fait compliment pour vous, pendant la dit à vous, nous voulons faire une seule voix avec toutes ces gens pour continuer à chanter qui gens au sein. Ou même qui aurait le chaque pour le vivre saint encore. Toute la vie nous dépendit au merci. Grand-mère, c'est pour une chanter à l'esprit où qui s'est. Allô? C'est pas ni deux ni trois monde qui t'ont perdu la vie, sans compter si là qui t'ont vente détripé, bras coupé à coups de frein, coups de manchette, bras à rouge, franc commun. Jour dimanche 11 septembre 1988, ça, dans l'église Saint-Jean-Bosco. Et c'est bien en grand que monsieur qui était magistrat Port-au-Prince laisse ça, t'es lagué sous victime, responsabilité, massacre ça. J'ai une opinion, ça je l'ai. En tant que leader, j'ai une opinion. Qui sème le vent, récolte la tempête. Le père Aristide a toujours prêché la violence. Comme prêtre, il a prêché, il a poussé les gens à tuer et à tout faire. Or, aujourd'hui, ce qui lui est arrivé là, c'est peut-être, c'est le fruit de ce qu'il a, il a récolté ce qu'il a semé. Et vous allez m'excuser, ça, j'ai été, je le dirai encore, j'ai été très étonné de vous entendre me poser une question concernant cette affaire. Mais cependant, si vous voulez mon opinion est que le problème, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une affaire de prêtre à prêtre. Parce que vous avez certainement été mis au courant que ces brassards rouges portaient des inscriptions. puisque moi je suis au courant aussi. On vous avait mis, on avait certainement vu une échantillon. Non? Certainement. Je vous ai toujours parlé. Vous avez certainement vu une échantillon, cette affaire-là. C'est une affaire de prêtre et de prêtre, d'après ce qui paraît être. Vous voyez, s'il y a des gens de la mairie, des travailleurs de la mairie à être mêlés de cette affaire-là, mais c'est normal, parce que je ne peux pas empêcher un employé chez moi d'être pour Aristide ou contre Aristide, pour être catholique ou vaudouisant ou protestant, vous comprenez? Vous comprenez, là, je trouve que vous êtes très, et ils sont très légers, ceux qui se font une opinion à partir du fait que certaines personnes auraient déclaré avoir vu des gens de la mairie. Si Duvalier met comme un coup de sous-pied après le premier débarquement en 1958, côté Pasquette, Pépillon et Dominique te perdu la vie, machine la mort a dérapé en vent. En vent même les chita sous pouvoir, François Duvalier te commandé premier massacre. Côté sans Pep Bellet te coulé, tout de suite après coup d'État contre gouvernement provisoire Daniel Fignolé. Comme ça nous pral tendé témoignage du ancien ministre gouvernement Unité Nationale Sahara que Fignolé t'a dirigé, c'est Emmanuel Amboise. En février 87, qui t'a rappelé ça qui t'est passé dans le moment où il était arrêté Fignolé dans le mi-temps du cabinet ministériel. Je dois dire que comme témoin et comme victime, pour moi, du valérisme, son bagage qui gagne des sens précis et qui prend forme certains événements que me vivent. Des événements que me vivent dans chair main. C'est ça que du valérisme. Avant que me vienne tirer un concept, avant que me vienne tirer une idée générale de tout événement ça yo, du valérisme pour moi, c'est une série d'événements que me vivent dans chair moi. L'homme ouais premièrement, moi chita dans conseil de cabinet. Loa était ministre de l'agriculture. En face de Daniel Fignolé, président d'Haïti. Tout ministre entouré nous et une série officiers venus foncer dans sa là et ils mettaient tout le monde en état d'arrestation. Moi, je pensais que c'est le premier acte concret qui servit de point de départ pour du valérisme. C'est la brutalité, la négation, c'est-à-dire tout ce qui est contraire au respect que l'on doit à l'homme, que l'on doit à la société, que l'on doit à un gouvernement, c'est négation de toute bagaille ça. Or, c'est de là que du valérisme prend sous lui-même une série d'officiers que moi gagnais quelques noms en tête moi, vini, ils ont ramassé Daniel Fignolé comme un paquet de linge, un bagaille sale, ils ont parti avec lui, ils ont pris nous, ils ont mis nous en prison. Et puis le lendemain, et puis ils prennent nous, ils le mettent nous en prison, nous passons nuit là dans la prison. Et le lendemain, nous garder, nous ouais Kébro qui te fait coup d'état pour Duvalier, avec la complicité de Duvalier, qui te gagné ministre en dedans gouvernement. Parce que c'est un gouvernement d'unité nationale. Duvalier était ministre, Jumel était ministre dans le gouvernement, et tu gagné d'autres candidats qui étaient ministres dans le gouvernement. Mais c'est un coup d'État préparé parc hébreu avec Duvalier et pour Duvalier. C'est-à-dire qu'alors que il était membre du gouvernement, il était comploté contre le gouvernement et il mettait la kibou, il renversait le gouvernement par la force, il prend un homme comme Daniel Fignolé, l'embarqué, il fait le parti. Pour moi, c'est la première image, un bagage solide que moi que Duvalier est lié, c'est-à-dire un mépris total de l'homme, de l'être humain, de la liberté, le mépris du respect, le mépris de toutes les valeurs. Pour moi, c'est ça qui est le premier geste du Duvalier. Le lendemain de ce coup d'État, moi, ouais, une série, toute une série de monde passé dans la rue au fond du cortège, c'était des duvalieristes, et je vois Mounioré les barons du duvalierisme, qui l'a encore et qui candidat à la présidence, passer dans le camion, dans l'automobile, avec mitrailleuse pointée sous foule là, avec Kebro en tête, et tout baron duvalieriste qui a candidat à la présidence Couliero, derrière, ensemble avec Duvalier, ils ont passé, ils ont traversé Villa pour faire connaître que il a crasé tout le monde qui opposait à mouvement. C'est le premier bagaille que moi. Et le soir, même que Boa, avec une série d'officiers sortis, ils ont monté Belay, ils ont rentré dans Kaimoun avec un mépris complet, ils ont crasé nègres, femmes, garçons, petites en bas de mitrailleuse pour terroriser. C'est à peu près ça nous sommes tout à l'heure. Ouais, mon aurait été gros journée, ils ont foncé Kay Benoît. Sam, ils ont longé sous madame, ils ont longé sous petite. Mandé si pas une ressemblance avec ça. Alors, Kay Duval, pour faire qu'on ait que vie ou pas rien, l'être humain pas rien, monde pas rien. L'on finit de tuer même 3, 4, 5 000 monde. L'on finit, c'est pas camion, il a le jeté pour chita duvalierisme. C'est point de départ là. Mais élection qui vient faite que Kébro fait. Élection Kébroa, nous connaissons bien que c'est un macaquerie. Que Kébro fait élection, il mettait officier, il Saltrou, Saint-Michel de la Talaye, il fait Duvalier passer. Et ces gens élection ça, m'a demandé moins si c'est pas ça qui menace nous. Alors, c'est ça du premier bail du valérisme. Mais, l'autre bagaille qui est plus grave, maintenant, je vais dire comment je me sentis dans 100 mains. Je prends frère qui était membre de l'UNMES, Union nationale des maîtres de l'enseignement secondaire, avec d'autres camarades tels que Mario Rameau et beaucoup d'enseignants quoi Confédération, si on gagne, ils sont obligés de partir sauver tels que Maxency, Claude, Moïse, et beaucoup d'intellectuels haïtiens obligés de voler gardien, ils prennent frère main, ils mènent la police, ils sont capables de fusiller ou capables de fusiller un homme, ou faire prendre un jugement, même sommaire, ou demander le gagner, mais c'est avec mépris. Ils ont détruit, ils ont boulé, ils ont boulé Gilles, ils ont crevé Gilles, ils ont tué. Lorsqu'ils ont tué madame, c'est pour moi, c'est toute bagaille ça yo, que moi dit que moi vivre du valériste là dans sang main, dans chair main, avant de chercher un concept intellectuel. Ou intellectuel, Gérard Pierre Charles capable de faire. Mais même pour qu'on arrive dans ça, Duvalier, là, c'est acte brutalité, ça, yo, avec le mépris total de l'homme haïtien et la haine de l'intellectuel, du savoir, de l'honnêteté, de la droiture, sans aucun respect pour les valeurs humaines. Après premiers axaïo, répression en pape suspend. Jour 26 avril 63, côté ancien attaché à te vivre assassinat André Riobé, les frères Vieux, William Télémac et jeune garçon inconnu, jour ça, en pile l'autre monde te mouri tout. En pile monde mouri entre 57 et 63. Monde qui connu, monde non yo parité, gen date qui yo même rete dans mémoire peuple haïtien. Jeune Haïti en 1964, d'ailleurs yo te exécuté si vivant yo, Numa ak Douin, en public, devant ti moun l'école dans cimetière Port-au-Prince. Moun songe massacre Jérémy dans l'année 1964. Nous gagnons témoignage sur un autre assassinat dans l'année 64. Antonio Vieux, ancien ministre estimé, qui était refusé de collaborer avec Duvalier, perdit la ville le 2 juin 1964. Dans l'année 87, Madame Antonio Vieux t'a témoigné. Ces types sont arrivés, ils ont commencé à lancer les chaises, un bruit infernal. Détruisant systématiquement. Oui. Et alors, ils dégageaient la porte et choses. Parce que la porte était bien fermée. Ils étaient combien? Moi, je crois avoir vu 5 ou 6 dans mon chose. Et puis, Antonio, d'entendre le bruit et de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'entends encore le son, le timbre de sa voix. Mais attendez, on vient vous ouvrir. Et puis, donc, couché tard, fatigué, il avait dû semer ses pantoufles, à droite ou à gauche, qu'il n'a pas retrouvé. Il est sorti de son lit en pyjama, pieds nus. Il a traversé ses bureaux, la salle à manger. Et moi, dans l'intervalle qu'il s'apprêtait à sortir, j'ai ouvert le commutateur de ma chambre. Quand j'ai vu, mes amis, cette horde de barbares avec casque, jugulaire, chaque boulot mitraillette au poignet. C'était des militaires. Habillés en civil. Habillé en militaire. J'ai reconnu l'un d'entre eux qui est militaire. Mais il était habillé en civil. Chacun tenant sa mitraillette. Et puis, j'ai eu peur. J'ai éteint les lumières. Et je suis restée debout, glacée au milieu de la porte qui communiquait ma chambre, la salle à manger. Ils m'ont dit, lumière foute. J'ai rallumé. Et je suis restée debout là. Et debout, j'ai vu Antonio qui sortait de sa chambre, pieds nus, en pyjama de nuit, un pyjama léger, car c'était le 2 juin 1964. Il est sorti crânement, il a traversé la salle à manger, il est arrivé au salon. Au salon, les types l'ont entouré, et puis je l'ai entendu de sa voix métallique dire son nom, Antonio Vieux. Ils ont fouillé les moindres bouts de papier, le bureau, ils ont enlevé les matelas, renversé, ils ont fouillé l'armoire, la bibliothèque. Vous n'avez jamais su ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient une preuve, peut-être. Ils cherchaient une preuve, mais qu'ils n'ont pas. Preuve qu'Antonio aurait été candidat à la présidence. Oui, ou bien peut-être quelques complots aussi, on ne sait jamais, parce qu'à cette époque, il y avait toute une histoire. Et qui se déroulait à Saint-Domingue, là on voulait envahir, exactement. Et comme Antonio était aux presses libres, là on recevait beaucoup de monde. Antonio, il ne faut pas le cacher, c'était un homme politique. Mais là, jamais, aucune, à ce moment-là, avec Duvalier. Mais c'est un type qu'il n'aimait pas, qu'il ne tolérait pas. Figurez-vous que, sous-estimé, il a eu, et comme ça, contact avec ce type. Antonio était ministre de l'Éducation nationale. Estimé l'a appelé, Éducation nationale et hygiène. Et Estimé est un parent par rapport à Madame Estimé, qui est notre cousine germaine. Et puis, il dit à Antonio, bon, mon cher, je vous nomme ministre de l'Éducation nationale, mais je vais vous donner François Duvalier comme sous-secrétaire d'État. Oh! Antonio dit, ah, président, pareil même. Il n'y aura pas de collaboration possible entre cet homme et moi. Plusieurs années plus tard, vous pensez que François Duvalier lui a fait payer? Très certainement, parce qu'il avait envoyé le frère Victor, ça je le sais. Il voulait avoir Antonio comme ministre de son cabinet. Mais Antonio a toujours décliné l'offre, disant qu'il s'était voué à la jeunesse de ce pays, et qu'il aimait les jeunes, et que vraiment il était pris dans cet engrenage, et qu'il ne faisait pas de politique. Vous n'avez eu aucune nouvelle d'Antonio après son arrestation? Jamais, une seule fois. Je vais vous dire, il semble qu'après son arrestation, on lui conduit au-dessous du palais. Madame Antonio Vieux, nous capable de dire qu'il a une chance, il n'a pas disparu. Et même, il n'a pas perdu la ville dans l'année 64, ça, là, il a été fini de prendre Maril. Parce que si nous continuons à songer événements qui marquaient l'histoire souffrance peuple haïtien pendant l'année Sahayo, nous pas oublier façon répression ante chita. Si il y a tellement de familles, tellement de monde, il y a même zone qui disparaît ou sinon qui mourit, c'est peut-être François Duvalier te chita méthode répression sous ça. Il y a monde supposé coupable, il y a monde fait débarquement, il a arrêté toute famille, il a assassiné toute famille. Comme aucun débarqué Tiotte, il suspect paysan ta aidé yo, yo crasé toute une zone. Et puis red dans alentou, gen moun ki bijé sou pinga yo. C'est comme ça nous te apprendre dans zone Tiotte là, yon bande moun te bijé changer nom yo. Peut-être yo te signé même Jean ak yo Kamokin. Yo changer nom yo pour yo pas perdre la vie yo. C'est comme ça pendant époque Papa Doc, toute makout yo te boulé. Nous dit massacre dans Tiotte, semblier massacre dans Casal dans mois mars 1969 pour nous citer ça yo seulement. En 87, il y a une célébration Casal pour mémoire victime. Et là, ça, mon yo te parlé. Casal ici, toi, mon ça, mon campé, gendarme, campé ministère. Mais ministère de pirate, pour là, on n'est pas capable de parler. Mes amis, moi, râler. C'est 10 jours. Il commence le 27 mars. Il finit pour 5 avril. Oui, nous, c'est tout le monde dit, c'est le bacon sacré les luttes, ça peut les manger. On peut cacher? On peut pas coucher la journée. Surtout on fatigué, on peut pas coucher. Dès qu'on bat frère, moi, ils te battent, ils manquent, ils finissent tout le net. L'homme rivon de gré, ils veulent dire nous comme ça, pour te manger bali. L'homme rivé en route, pour te manger bali. Chaque côté rivé, vagabond y arrêté moi. Ils dit comme ça, c'est Jérémy m'a pour te manger bali. Ils fait me tourner, moi monter, sur l'autre monde qui contre avec moi, les hôtesses, dans ce lien contre avec moi, dit comme ça, c'est manger la potée by Boffred de la prison, quitter l'aller, elle parle avec vagabond, dit me mettre aller. Tout mon père, mon papa sortir. Maman, on l'a fini de se pour aller en balle, c'est pour aller danser. Mais nous pas connaître, c'est pour Charles. Pas de Charles, pas dedans. C'est le lieutenant Toussaint, le lieutenant Odigé, Charles m'a bien aimé, Arnold Boutpointer avec Miss Garden. C'est Mounsayo. C'est Mounsayo. Là ça. Charles m'a bien aimé ça, c'est mon Duvalier Villiers. C'est la minoterie, le travail, c'est le même qui forme barrière minoterie. On connaît puis les gens viennent sortir la gueule, bon Dieu fait et la gueule. Les venus nous bail papier et puis yo demande qui je nous fait la gueule. Yo demande maman qui je fait la gueule. Maman dit bon Dieu la gueule. Et puis ça me fait l'aime de gaz, l'aime de botem, vote 25 gallons gaz. C'est parce que moi, je ne pas chambre de gaz encore, je ne suis pas chambre de gaz encore. Je prends 25 gallons gaz, je promets dans tout le pays à bouler tout le caille. Gaz moi. L'aime fini, nous sommes la ville le samedi, je prends 4 fois à l'ensemble. Je prends tout à l'ensemble manger. Je prends 5 gallons d'huile, je prends 5 gallons de manger. Tout le monde prend cochon, tout le bagaille, banane, tout le bagaille, je prends, je débagage, je caille. Mais l'argent, frelon, dombe, tout, vide, vite, je prends l'argent. Oui, mais même, nous devons caille sur le nom. Si on t'a monté pour la caille, on t'a passé la caille. On n'a pas de bon carbone, il y a caille, il était pas trop pour sa petite. L'elvin matelas, c'est voler, voler, jeter. Dévorer, dernier timon, il violer sous carbone. Chalma bien aimé. Chalma bien aimé, ça. Non, Moun Casal pas oublier non Bourgoyo, yo pas oublier non plus non deux combattants, Alex Lamotte avec Jérémy Eliazer qui était mort dans Joussard et qui était coupé tête yo pour te bailler François Duvalier. C'est dans même l'année 60 ça yo, Jacques Alexis avec camarade Lio, Gérald Brisson avec camarade Lio et puis en pile l'autre Camoquin mourit dans mi-temps bataille. Mais François Duvalier était habitué à les coucou rouges des Camoquins, des communistes, annoncer débarquement Camoquin pour régler les affaires. Ou sinon pour trop qu'éconne acteurs pays étrangers. Si nous citons non voyant garçon ça, ça pas de dire pas de gain l'autre. liste là trop long, sorti 57, rivé zone années 70, pour nous mettre dans une journée émission même. Liste combattant yo long en pile, liste victime répression yo long en pile tout. Depuis quelques temps, on a découvert quelques noms là-dedans yo. Famille yo, amis yo a fait songer. Et non parmi non ça yo, on est tombé sur une Félicienne Dupré qui était faite dans l'année 1912, elle était couturière. Macoute arrêtée dans le mois avril 83. Elle mourit recherche criminelle après Major Tassy te fin crabinelle. Les nous garder dans le journal côté photo Félicienne paraît jeune femme, nous pas pour tout de suite. S'il est fait en 1912, il te gagné 71 l'année en 1983. Qui ça? Un grand monde 71 l'année. Une couturière te qu'a fait pour te arrêter, pour m'écouter arrêter le ça. Et c'est même non Tassy ça qui t'est déjà cité 20 l'année avant, en 1963, dans témoignage sous Lamentin, nous coûté en vent. Pendant l'année ça yo, massacre t'a continué, sans oublier vol à corruption. En pile monde t'a raconté fonctionnement makoutio dans la vie tous les jours. Maître caille, makout pas de payer loyer, peut-être yo c'est chef. Maître boutique, makout pas payer, ça yo acheté. Moun makout prend l'argent pour yo supposer ba yo protection. Dans l'état, moun makout fait non mais si tout leurs compétences yo pas ta permettre yo joindre job. C'est pas travail yo t'es besoin, c'est un chèque dans l'état. Affaire corruption, ça, pral marquer tout, toute année qui pral venir après yo. Règne, baby doc là. Après l'année 70, yo, les baby doc prend pouvoir. Dans tête pouvoir, tant que dans tout étage régime, l'esprit makout là, la méthode makout yo, te continué même gens, malgré un similac démocratisation. Vol à corruption vin piplis, peut-être les ça, sous l'argent yo te ka voler en dans pays a, ou vin joindre l'argent pays étranger à vider sous yo. Comme ça, pour défendre pouvoir politique là, avec millions de dollars qu'a metté pile sous pile, c'est pour système répression pas de chômer. Craser zo paysans, grand groupe fait frapper pied yo. Krasezo ouvrier qui a commencé à organiser, Krasezo jeune journaliste, tant que Gasner et moi en 1976, qui a fouillé zone dans Kalalou pour dénoncer vol à corruption qui a continué. Krasezo jeune garçon avec jeune femme, l'idée progressiste est attirée et qui parfois est tombé en bas main faux progressiste. Même méthode yo continuer ses vies, assassinat, enlèvement, même bureau l'en mort tout, te continuer à travailler sans arrêter. Dans l'occasion 7 février 91, en pile rescapé, dans un gros bureau dans Moyo, fort dimanche, t'es témoigné. Et ces cellules-là, c'était numéroté par les chiffres impairs. C'est une cellule 1, 3, 5, 7, 9. Là. C'est une dernière cellule 9. Bien sûr, c'est donc 1, 3, 5, 7, 9. C'est combien qu'on a en cellule? 33, ça dépend des conjonctures, ça dépend s'il y a eu activité démocratique ou non, ou droit de l'homme, tentative de promotion de droit de l'homme, etc. Donc, où tu as gagné plus ou moins, mais en moyenne, il descend rarement au-dessous de 20, le monde passe de 20. Pour ça, c'est fermé. Et seule ouverture qui est, c'est qu'il y a une fenêtre là, mais il faut qu'on ait un poste, parce que si on fait très bien, nous pouvons dimensionner. Et puis, même pas d'accès à celui-là. Nous avons remarqué ça que les transformations que ici est fait, mais grâce à ce nous avons remarqué celui-là. Et normalement, les prisonniers étaient toujours sur deux colonnes. Et là où se trouve Tony, jusqu'au mur là, et comme soulignez-vous que place qui est adossée au mur, c'est des places de privilégiés dans celui-là. Vous avez fait que Margot, celui-là, toujours réservé un point pour lui. Et le point pour les tonniers hier, c'est là que Kin a lieu. Les Kin là, c'est Barry, Droum, qui servait de latrine à tout le monde qui a. Et normalement, comme prisonnier était couché sous deux colonnes comme ça, et jamais besoin de croiser le soir, puisque normalement, il faut y suivre comme on. Si nous voyons dimanche celui-là, c'est mesuré environ 6 pouces et 6 pieds 6 pouces. Donc automatiquement, il est obligé de mettre les jambes sur l'autre monde qui est couché en bas. Et ainsi de suite. De telle sorte qu'entre deux colonnes prisonnières, pas de couloir de passage. Donc le soir, chaque monde fixé, rivé dans la place parce qu'il n'y a pas de place pour déplacer. Et c'est ainsi que, sous calculé, sous à demi-heure, qui était normalement seul cabane de prisonniers de guerre. Donc c'était une laisse de natte qui était à peu près la joie ça. Donc sous comme mesure pour effectivement le nombre de prisonniers était à plat. Et le type de natte, c'est un type de natte qu'avec transpiration, prisonniers rapidement, il était produit en pile pour de corps, en pile 40. Et ça crée ce type de bec qui était circulaire en pile pour dimanche. Tout prisonnier passé ici, hein, il consacrait le coup de corps, c'est en abondance que était vu à ça. Et tout de tête, un peu partout. Et normalement, donc, toute sa campagne là, c'est tout là, rentrée par là, et porte la dérivée, pour de nouvelles là. Et de on cellule là, on leur cellule, clandestinement, un prisonnier était capable de grimper porte métallique là, malgré que c'est dans surface assez liste, pour être capable de dire au prisonnier bonjour en face, bien entendu, très tard, quand le sentinelle là commence à fatiguer, il commence à marcher post-lit. Donc le sang a sauté pendant 10 secondes pour profiter pour dire au prisonnier bonjour l'autre bord, mais ce qui est arrivé très rarement. Et par contre, qui nous connaît qui était dans la prison, mais quelques personnes, en fait, moi, je me rappelle tout le monde qui est dans la cellule avec moi. Et la position citoyen ça, ils ont été mieux là, il y a Gérard Augustin qui est là, qui est un sociologue, Mounsayo, c'est là que je suis mouru. Un petit peu au dos de cette dame-ci, et en arrière, je me rappelle très bien Rameau Estimé, c'est là que je suis, c'est là que je mourut. Dans le coin ça là, je me rappelle moi, c'est un colonel Bello, qui n'est pas mouru, qui vivent toujours. Et, côté Jean-Claude Bajoy là, c'est gagné un jeune petit paysan Raboto. Et là, tu as gagné un autre petit nègre qui était relé à Ezel. C'est parce que monsieur était dans un meeting Victor et Constant. Et puis il dit ça, monsieur Abila, il a arrêté lui, il venait d'ici là, il mourit là, justement. Alors, par contre, je ne remarquais dans tout le monde qui m'a cité, comment un mélange social là bien fait. C'est-à-dire, il y a des paysans, des intellectuels, des travailleurs, il y a toute qualité. Donc, prisonniers là, il y a réunis, toute couche sociale, c'est capable de dire, unité pays a été faite là. Moi-même ici, je me suis en placement. Exactement. C'est pas par habitude. Combien de temps? Pour le camper là, 70 ans. Ça me sentit ou pas que je me comprenne. C'est pas, comment dirais-je, un bagage que m'a essayé d'eau pour me tromper. C'est un sentiment que je ne sais pas quoi communiquer. Et je passais deux positions à cette ville-là. J'étais ici et ensuite je suis là. Et moi qui étais côté là, j'étais un paysan, mon soit les bouquets. Juste après, je avec un frère qui est vivant, qui mourit là à côté de moi. Souvenez que je suis grand pile là-dedans, c'est souvenir mort. C'est-à-dire, là, on a une cellule comme ça, on n'a pas entré, on n'a pas sorti, mais on n'a pas sorti pour la guerre, on sorti deux pieds devant. Donc, souvenez que une cellule là, c'est que tout le monde qui est sorti dans la porte là, c'est cadavre qui est sorti, pas sorti vivant. Pour que ça soit là, je pense que ça qui est aujourd'hui, car expliquer très nettement pour que ça comme de là. C'est un combat démocratique qui a fait dans le pays, côté que tout citoyen est conscient, pas capable, pas impliqué jusqu'au bout là-dedans. Et c'est au nom du combat démocratique ça que je me suis retrouvé là. Et ça fait que là, tout, je dis probablement que je suis vivant. Ce qui pendant tout le temps que je suis là, je suis conscience que je suis là pour une bonne cause et pour une cause que même si je suis là, je suis triomphé un jour. Et c'est ça qui fait que malgré tout souvenir désagréable que je gagne là, j'ai une grande satisfaction que je me suis dans la même place là pour m'abdou qui histoire fort dimanche, qui histoire lutte peuple haïtien pour que Jodia effectivement là voilà ça des zones. Visiter les zones déjà, c'est évident que il y a un pile travail de camouflage, un pile tentative de transformation qui était faite pour essayer d'effacer véritable emplacement en prison pour dimanche là. Cependant, disons qu'il y a des gens qui connaissent le lieu tellement bien que pas de moyen pour pas identifier tout ça qui était constitué, mur fort dimanche, cellule fort dimanche, comment que était, etc. Tout à l'heure, il y a un monde qui demandait est-ce qu'il y a des instruments de torture qui sont identifiés ici. Ça me donne à souligner, c'est que fort dimanche, c'est tout système carcéral là, qui est un instrument de torture. J'ai été bon manger, j'ai été dormi, médicaments, pas de balade, matière fécale que j'ai vivre en dedans, tout régime, de l'eau qui était fort boire. Nonobstant que le commandant était toujours un bâton dans la main, ça avait un bâton qui est au bord de l'eau, ça avait un bâton qu'on entend cellule là, pour sortir dans le couloir, à laver bouche le matin. Mais faut ouais, c'est tout système dans même, tout système carcéral là qui était principal torture pour dimanche, parce que si vous regardez à quel rythme que les prisonniers étaient mourir dans ces lieux, il n'y a pas de besoin de battre, il n'y a pas de besoin de l'autre torture, mais si c'était que vie fort dimanche là même, c'était un bagage assez infernal pour pas besoin de l'autre système de torture. Concernant nécessité espace là-dedans, je voudrais souligner que fort dimanche, c'est en même temps tout un symbole de répression paysanne. Depuis les années 30, fort dimanche, c'était quartier général responsable de toute police rurale dans plein du cul-de-sac, région d'Elma, région Maïgaté, Tabar, Douillard, etc. Donc quand le chef de section a arrêté un paysan, qui ont bâti toute la route, mais c'est ici, il était comme mené, il a eu le d'Adignac, et avec l'autre tête qui vient remplacer par la situ. Et l'on paysan était rentré fort dimanche, il était très peu de chances pour le sortir vivant encore. Et paysan ça y est, quand la majorité des prisonniers politiques qui passé fort dimanche, mais il n'y a pas de gagné état civil. Une fois qu'ils ont passé porte fort dimanche là, il n'y a pas gagné état civil encore, il n'y a pas gagné nom, c'est au numéro que vous avez. Alors que vous voulez que clair dans tête tout le monde que le système répressif là, c'est un bagage qui était assez étendu. Et ça qui me dit que chaque pouce de terre dans la zone là, c'est histoire fort dimanche, c'est symbole fort dimanche que dit. Oui, puis fort c'est ici que passé et que m'espérer qu'en pile zo que nous capable rejoindre. Bien entendu, malheureusement que notre pays n'a pas gagné technologie assez développée pour identifier tout le monde ça yo que capable venir, mais je suis certain que grand pile ossements dans fort dimanche. Et que je pensais que si vous l'arrivez, il y a un petit bagage qui est capable de révéler à la surface. Donc, bien qu'il y ait des charniers, que vous connaissez qui ailleurs tout, ce n'est pas seulement dans fort dimanche que charnier oui. Marc Romulus, nous sommes tendés là, c'était Youn, dans parmi prisonniers fort dimanche. Tant que l'autre survivant nous prend le côté, il a eu une chance pour sortir vivant dans fort la mort. Mais chaque 5 cachots, ça joue. Mais chaque, il y a une porte, mais pas une porte en fait, non, une porte pleine. Le vent va passer là-dedans, le vent c'est vrai. Depuis là, il ouvre le lit, et puis il y a 2-3 personnes qui étaient là déjà. Et pendant que tu es là, tu mènes les gens, tu retires les gens, les gens qui mourent là, le cachoir, tu as un commerçant, marché Salomon, tu as les failletons, la femme, qui mourent. Il y a eu un grand avocat, je respecte sa mémoire, avec deux dieux. Mais plus son âge, 70 ans, il est mort. Qui est-ce dit? Maître Covin. Il est mort. Henri Douillon, âgé de plus de 70 ans, qui était le même cachot commun, là où est l'âge de moulin, que pas tapé longtemps, il a retiré les sites, il mettait les pénitentiaires, il mourit le pénitentiaire. Et l'homme mourant dans le cachot, le pas remettre quoi by famille. Le roule au l'antinap, le lait à terminer, on caisse, le métaux en caisse là, et puis côté offert, pardon. Maintenant, le cachoir. Premier jour rentré là, on voit dehors que l'air a plagué. Et le pas jamais lagué la journée, ni à 8h, 9h du soir. C'est à partir de minuit, 1h, 2h du matin. Par contre, ça crivait, mon la gueule. Est-ce que c'est la gueule vraiment ou bien c'est mourir à mourir? Moi-même, je dis la gueule. Parce que souvent, Héloïse, elle vient la nuit, le vin cachoua. Regardez tout le monde et puis les deux. ou même sorti. Ou sorti. Des fois, nous ne savons pas ça nous est devenu, mais des fois, tout, les sorties à nous, les salis au moyen de 2h du matin. Quelques minutes après que nous sommes sortis là, et vous tendez une décharge au milieu de la nuit. Donc, vous pensez que c'est fusillé, ou t'as fusillé? Nous tous, nous pensons que c'est crasé. Et là, on a la joie. Vous rentrez là en caleçon, c'est sur ciment lié. Au pas ciment dormi. Au pas cap dormir, où est longueur de cachot, nous comptons 5-6 couchés là-dedans. Les deux nous couchés à terre, côte à côte. Troisième, il faut dire, camarade, bon, me font un petit coup. C'est qu'on peut appuyer au bon chita à terre. Voilà la selle. Au bon beau titre qui était là à demeure. Je le venais peut-être chaque 2 ou 3 jours. La vidéo dit, je le venais. Et là, aller à la selle, ou descendre sous beau titre là. Beau titre que l'on prend pour nettoyer de la machine. Son vieux boquet, tout crasé, en bas boquet l'a coulé. Donc là, il coulé, l'urine avec matière fécale mélangée, l'a coulé, ou chita à terre, il a tout été chaud, puisque on n'est pas capable d'enlever le corps pour sortir, c'est là où vous étiez. Bon, combien de temps on passe là? 20 pile jours. Et là, aller sous boquet là, l'on fini, l'on levé, ou remonter caleçon. Le babord papier hygiénique, le babord toile, rien pour suivre. Tout le là, il était sur. Seul bail qu'on a avec vous, c'est caleçon. C'est qu'on soit rentré, jour l'heure la plague, je mène dans la salle de boîte là, je l'ouvre un gros lamois en fer, je prends un radeau, je l'ouvre les pour prendre un radeau. Pénitencier national, à l'époque ça, avec Fort Dimanche, même époque là, je ne sais l'enfer, pénitencier, on va dire c'était un paradis. Mais caché ça, t'es relevé directement de palais national. 5 petits cachos, ça t'es sous compte Tassy, Héloïse Maître, Luc Désir. Le commandant du Fort Dimanche d'alors, qui était le lieutenant Jean Boboeuf, il n'avait pas accès à ces cachos. Si on va passer dans 5 cachos, ça c'est Henri pour y faire rapport. C'est seul nous qui était qu'on visiter, venir chercher nous à l'eau, ou bien venir avec nous, météo. Là, qu'à Jossa, c'était Louis Smith. Chose à seule que nous te gagnons pour l'humain à la tête, nous, 24 heures sur 24. Donc, pas jamais gagnant. Pardon? Pas jamais gagnant. La journée coulante. Et pas foutu de dévisser en peau là. Si on dévisse en peau là, et nous, ils viennent faire inspection, là, pour la dévisser, et que la peau l'a pas boulé. C'est prisonnier qui dévisse, on bat bâton. C'est un régime sauvage, barbare. Oui. Des conditions de vie épouvantables. Pas grand pile monde parmi plusieurs milliers qui t'ont fermé Fort Dimanche yo, qui t'ont arrivé sorti vivant. Si Fort Dimanche t'es un bureau en mort tout le monde connaît dans le pays d'Haïti, c'est peut-être en pile froid, même l'œil arrêté un monde dans une zone qui bien loin, souvent les vins aboutis dans Fort en mort, dans Fort Dimanche. C'est pas pour zone Port-au-Prince et alentour Port-au-Prince seulement bureau ça te travail. Dans Port-au-Prince, Fort Dimanche pas de seul côté qui te porte gros non en mort. T'es qu'un caserne de saline tout côté SD, t'es contouillé en pile monde. Même gens avec l'autre bureau la mort, ils ont tiré les recherches criminelles. Dans 3 côtés, l'histoire pas oubliée dans la question de la mort dans le pays d'Haïti, tout le monde connaît les rentrées ou pas sorti facile. Rescapés nous sautant de yo considérer ces miracles qui sauvent yo. Mais tout t'es gagné l'autre bord barrière dans Cambourou yo, monde qui pas de cassipoté. Ancien attaché Kafoua dit déjà. Jour 26 avril 63, li même tout li te ka passé, les Franck Romain te arrêté. Comme ça, nous prenons le temps des 3 militaires qui étaient dans la police dans l'année 70 yo, k'ap parlé nous sous bureau la mort yo, et qui dit tout que yo même dans plusieurs occasions étaient ka passé. Moun nan entré à 8h du matin, depuis qu'il a voulu fusil, il n'a pas entré à 8h du matin, 9h pour qu'on penche, il aurait un fusil longtemps. Si il n'a pas voulu fusil, il y a que les gros nègres, c'est les bourreaux. Là, il paraît dans la prison, dans prison, on sait qu'on compte juste en dedans. Il entre au bal, deux coups de bâton, bot en plat, le vide là tellement. Si il n'a pas voulu le faire bruit, il a barré l'autre prisonnier, il a ballon code, il a fait tout faire en dedans. Moi-même, même sensibilité. Je ne peux pas accepter les choses. Je ne peux pas permettre de m'accepter. Il y a un petit commerce, un jour, qui vient pour manger pour un tonton. Tonton a travaillé sur WAF et puis il a arrêté tonton. Il a fait business sur WAF. Et puis tonton a même rivé dans la police. Il a un coup de bâton là, tué. Mais si commerce et tonton, il peut manger pour lui. Moi-même, si comme à venir la police, ça va, ça va, là, il va me manger pour lui. Là, je vais manger en dedans, et le prisonnier dit, ah, monsieur Krasé déjà. Moi-même, même qui va contre ça pour me faire, je ne vais pas dire si comme à que mon Krasé tonton là. Je suis obligé qu'on y a son l'autre prisonnier, je vais manger, parce que je ne vais pas dire ça son problème. Je vais tomber dans le problème. Et à la fin, qu'est-ce que je pas fait pour me dire ça? Eh bien, mon cher, les mois chaque jour, tu commences à monter, descendre, elle vient à pied, la pour manger. Va une cookie misère, parfois il plane pour jouer une cobla, pour faire manger à pour bas mon dans la prison. Eh bien, mon cher, un jour, je ne peux pas supporter, c'est moi-même, même l'histoire, chaque livre, pour bas manger. Ah, un jour, je me dis, ma chère, je ne peux pas consommer pour manger encore, non, tonton n'a pas là. Eh bien, ça te manque, mettez dans pigou à coche, il était gagné, il était qu'à physique, il était qu'à prison, bon, il était qu'à mourir. Eh bien, mon cher, c'est comme il a fait lui-même, il a la caille, il a dit maman, le papa, le famille, que le fils et tonton l'amour. Depuis que je regarde mon corps apparaître là, le squad apparaître la police. Il a dit, il apparaît dans la salle légale là, il dit qu'il a pas dit que tonton l'amour. Depuis que ça sauvé, moi, tant que le lieutenant est fort, lui-même, c'est tuer la tuer, c'est manger le cigarette, il est bien rouge. Eh bien, il est en telle fois, disons ça, bon, mettez-moi au sous-banc. Entrez derrière, mettez au sous-banc. Moi-même, ça me fait son combinaison, m'oblige à faire. Me faire sauver par derrière. Et si on va sauver, je me dis, mais c'est dans la prison, on va mettre nous tout, oui. Me faire sauver, parce que si on va faire sauver, on commence à battre pour dire qui laisse mon guider, dit autant qu'on mourir. Je vais le dire, c'est moi. Moi-même, je vais le mettre dans la prison. Eh bien, mon cher, moi-même, très sensible, je ne suis pas capable de supporter les choses. Eh bien, à la fin, je suis tombé dans un problème. Je suis un élément bien avec lui, M. Edouard Gilien. Je ne sais pas qui laisse M. Théier, et puis, dans un problème, je vois M. dans la prison. Je vois M. dans la prison, un jour, je vois mal pour un prisonnier dans la prison. Moi, je vais là, je parle avec M. Oh, tu vois ce problème, papa? C'est quoi tout le monde dans la police, c'est rapport que tu as fait pour moi, ouais, m'a parlé avec, et mal enregistrant, m'a parlé avec prisonniers politiques. Mon cher, moi-même, de la police. Si je dis crime, moi, avec fait devant, bon, l'époque, je commence à faire crime moi-même. Mon cher, faut me faire même 3 mois, je ne vais pas me faire. C'est que, gonçon des bagages, nous ne pas connaître. Par exemple, là, nous contents de Haïti, ils ont rencontré, ils ont fusillé 7-8 nègres d'Elma. Il détective de mon d'Elma. Mon cher, c'est pas rien, c'est en dedans, il prend mon même. Il prend mon en dedans, puis il y a le fusil dans la rue. En dedans, la police là, prisonnier dans la prison. Bon, mais qui, par exemple, si vous avez un poste, par exemple, le premier négocié devant, c'est un élément qui est Antoine Lamagie. Quand on parle d'éléments, ça tient Antoine Lamagie. Si flan n'a pas fait chez le Haïti, il sorti Antoine Lamagie. Bon, mon cher, tu es ouvert un poste. Quand nèg qui était ministre de la justice et de la justice, gentil ou l'ingentil. Plus de cas au vent poste qu'à monsieur, ça me citerait Nazon. Plus de cas au vent poste qu'à monsieur, c'est l'élément ça, il y a au prend, il y a le fusil dans deux cas monsieur. Balle même 10 balles. Puis au cas au vent, on poste dans le bloc là. Grand pile nèg me connaît. Grand pile nèg me connaît. Par exemple, de la police, grand pile nèg me connaît, il a tiré. À la fois qu'ils ont tiré, ils ont arrêté mon matin, ils ont dit, midi, ils ont penché mon intérêt dans le monde longtemps. Ils ont jambé dans le corridor, couloir avec lui, ils ont tué la coupe de bateau, ils ont tué la coupe de bateau. La police là. Et puis, les familles ont toujours continué pour manger pour lui, on comprenait qu'on a fait arrêter les gens, on en a après, on en a mort longtemps. Ils n'ont pas tué seulement garçon, ils ont tué Fitou. Alors il dit, ils ont arrêté un nègre, bon, ils ont arrêté un nègre, des cassettes de saline, ils ont arrêté un nègre. Ils ont arrêté un nègre, ils ont arrêté un nègre, ils ont tué, ils ont pris une recherche criminelle. Depuis qu'on a vu une recherche criminelle, on est allé à l'autre tournée, et pas tout, on va faire des marches. De façon à tout profiter. Nas pour un élément ça, il passe son bail dans bouche li, min hôtel, et puis il a monté Fontamara, il a monté Delma, il a monté Pétionville, il a fusil. Ouais, alors c'est tout comme ça moi qui fait des ventes. Et mon cher Pomdou, c'est pas mon cap dit nous. Monsieur Sobo salve et bagaille qu'il ouais avec Jules qu'il vive. Moi me fait 6 ans la police. Mon cher moi ouais tout avec Jules moi ouais. Avec monde qui mourir devant moi pas capable parler. Il y a des fois pour une condition. Il faut arrêter le monde avec un mandat de comparution pour investigation. Investigation seulement, on a mouru. On va faire des gens qui apparaissent vers 10h du matin, on va dire qu'ils ont fait même, puis ils ont fait officiel. Bon, tiens-toi la magie. Si monsieur te connaît, il va mourir. Monsieur t'a sauvé non même. C'est moi qui ai cherché monsieur dans la prison. Même bien avec monsieur, il a une audience. On va les âmes d'acheter deux toiles l'autre nègre, monsieur qui ménage dans le bloc là, monsieur dit mon cher qui est l'autre, on prend des ventes, marcher derrière, pour ménager ma web. Qu'est-ce que la marche devant lui, ma bonne audience à monsieur. On peut l'aimer, monsieur dit me fait même. Me fait monsieur dit me gangou, m'acheter cigarette bali, ben pas d'argent à faire. M'acheter on il est jupe pour monsieur pain bazar, comprendre. Me dit me connaît quoi là monsieur. À soit bientôt même, l'aime pas être là sur ma conseil à quête m'a sorti avec toi là. Comprendre, c'est monsieur élément ça, puis t'es qu'à ouvert un poste. Voilà, peut-être qu'à faire nègre plaisir. Vous êtes gentil, puis qu'à faire le plaisir, vous êtes obligé de fusionner dans Dola Kali de façon pour voler par ville dans le bloc Kamisien encore. C'est-à-dire mission voler au mari. Oui, c'est bon, le fusil, ça veut dire tout le monde prend le fusil en arrière, comme si c'est le directif de cuisine, c'est pas vrai, c'est le monde prend dedans et le fusil. Et parmi les gens, on va dire dit tout comme voler, dit tout. Et on va pas juger les gens. On va pas juger les gens tout. Par exemple, on prend un employé là, on va prolonger les mesures, on va arrêter. Machine répression n'a pas de frein pendant les années 70-80 sous Jean-Claude Duvalier, même si il était urgent en Bachal. Jean-Baby Budoc te dit l'an, papa te fait révolution politique. Nous comprenons qu'il te fait répression enragée, chita régime latéraire. Li même Baby Doc, il t'a fait révolution économique, qui veut dire chita système corruption en pi bien dans tout pays. Parmi événements moun songe, toujours pour Jean-Claude Dislan, gain répression sous mouvement démocratique le 28 novembre 80. À craser aux jeunes garçons qui étaient débarqués la tortille dans l'année 1982. Nous prenons des événements sérieux pour montrer méthode yo pas de changer. 28 novembre 80, pouvoir déclaré. Te gen complot, yo te joine bafè et puis gasoline, comploteur yo t'a pral servi pour mettre diffé dans Port-au-Prince. Même qualité menti yo. Dans débarquement la tortille en 82, même méthode yo tout, craser zo ak menti. Yo employé gouvernement à l'époque. Les rissons allez-y te reconnaître ça après 7 février pendant l'étape essayer mettre ou était responsabilité ça sous dol. C'est ainsi que moi rapporter que population de la force je comprends que c'est 40 moun qui la tortue mais c'est 8 moun là contrôler qui la tortue et que dans 8 moun ça l'état a capturé 3 et que gagner 5 que yo a cherché yo actuellement pour que l'invasion finisse parce que l'invasion fait faillite parce que c'est pour un bagage qui était bien planifié. Tellement vrai que reporter ça yo getan pour la l'autre bon dans le journal dit que et moun qui responsable information dans nord-ouest il dit que c'est 8 moun qui deviné. Il y a 3 qui ont capturé parce que c'est sous WAF là ils descendent, que toute population ouais. WAF pas de paix. WAF pas de paix. Moi-même personnellement, moi j'étais un blanc avec 2 haïtiens. C'est là qu'on a dit comme ça, mais c'est pour un blanc, c'est Gérald Brisson, Port-au-Prince, Richard Brisson, Port-au-Prince, il compte bagaille Rex Théac, c'est cela. On dit, ah bon, c'est lui-même. Mais dans les 3 qu'on a trouvé, Gérald Brisson et Richard Brisson ont été blessés bonnes oreilles et que de l'autre, ils n'ont pas de blessés. C'est que Richard, on va se nom de l'autre. et deux choses de passion, je le rebalance. Est-ce que Wilner Paris? Non. Est-ce que c'est lui-même Célestin? Célestin. Est-ce que tu es Moussignac? Non, pas encore. Est-ce que tu es Henri Paul? Non. Bon, ok, on va continuer. Et c'est Célestin avec un autre. Okay. Bon. Mais Célestin, c'est mon nord-ouest même. Oui, ancien. Au point que c'est lui qui fait que nous reconnaissons, tout le monde reconnaît. Ainsi donc, trois Mounsayo, toute population, ouais, yo. Vous avez envie de les capturer? Oui. À partir du moment que vous avez trois Mounsayo, pour la population, vous connaissez que y a pour vous dans la caserne et deux casernes, y a pour vous dans la prison contre vous. Entre-temps, les nègres qui viennent bailler une nouvelle dans Haïti, ils mettent dans une très mauvaise posture, en ce sens que moi recevoir mes ministres de l'Intérieur, ils ont une espèce de blâme dans le téléphone, ils disent comme ça, mais c'est deux ou trois jours après, ils disent comme ça que, comment voulez-vous que Mounsayo mourit sur le théâtre des opérations et que ou baille renseignement ou dit que Mounsayo que il était débarqué par de paix. Donc c'était Berouet qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Et puis moi je dis comme ça que, mais écoutez, ministre de tutelle, moi vous écoutez pour me bailler mon information, mais elle pas vous pour me bailler ou mentir. C'est toute population qui était quoi vous débarquer. Ni moi-même tout, donc je dis exactement ça me ouais. Et puis, je dis, dorénavant, pas une nouvelle. Pas une nouvelle comme ça. Exception du Bérouet. Si le reporter vini, côté où, et pour l'information, pas encore, fait blackout, pas encore. Mais vous dépendez du ministère de l'Information. Je dépends du ministre de l'Information. Ils ont fait ministre de l'Intérieur par Edine Bolland. Mais ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information, c'est le gouvernement, il faut que. Yeah. C'est ce qui avait été décidé à Port-au-Prince, mais on est dans une province lointaine. Bon, ça va. Entre-temps, ces trois prisonniers, pour les autorités de Port-de-Paix, pour tout le monde à Port-de-Paix, ces trois individus sont en prison à Port-de-Paix. Les cinq autres qui étaient là, ils ont capturé, on dirait, une après l'autre, avec concours population même. Mais ce n'est pas travail Léopard, c'est travail Casel. Dans la suite, ils viennent prendre. Ils viennent prendre Mounsayo, une après l'autre. Capturé vivant ou sinon. Blackout vient faire dans la population civile là. Ce qui signifie que les lames prennent, soit ils mettent dans l'avion, ils vont au Port-au-Prince, ou bien nous pas la population ne connaît pas qui ça va faire avec eux, qui ça va pas faire avec eux. Mais notre. À partir du moment que le ministre de l'Intérieur. C'est dire comme ça que Mounio mourit sur le théâtre des opérations, comment on fait bail information dans l'autre bord que Mounsayo est capturé au vivant, j'ai fini par comprendre que ce qui se passe. C'est ainsi que une commission avait été envoyée en commission Port-de-Paix pour occuper affaire de l'invasion SAR, une commission civilo-militaire. Composée de. Je ne vais pas songer tout le monde qui était là-dedans. Qui est-ce que tu as songé qui était là-dedans? Je me songeais que Weber Guerrier, etc. Et puis, tu as un commandant militaire, tu as d'autres. Commandant militaire, qui est-ce? Commandant militaire, tu as les deux ennemis qui étaient sur place. Après, qui est-ce encore? Non, pas songer là. Bon, ça me songeait, je ne vais pas le faire. Ok. Bon. Bon, et... Écoutez-moi bien. Donc, comment pour civil fait connaître que Mounio est capable? Est-ce que civil te calé la tortue? Son opération militaire qu'a fait. Les militaires capturent premier trois Mounio que la population les a vus. Toute la population a vu les trois. Brisson qui paraît ton blanc, qui paraît ton blanc avec deux l'autre. Célestin avant l'autre. Que la population ouais au conduit au mené dans la caserne en haut. Que certaines autorités, ni préfets, ni commissaires du gouvernement, certaines autorités voient dans la caserne en haut. Pour toute autorité ça qui voit en haut, ils portent au presse, ils voient dans la prison Port-au-Prince. Quel rôle un civil, quel préfet, quel commissaire du gouvernement, est capable de jouer dans soit exécution Mounsayo que l'armée capturée qui menait en caserne. Bon. Après débarquement la tortilla, après l'année 82 ça, l'histoire va gagner pour parler sous mouvement revendication peuple haïtien. Levé campé peuple là qui prend l'abouti dans répression 1985. Une répression côté régime Makout là retournait dans messe première époque li. Si dans massacre sous Duvalier, moun toujours dit yo était kontouye même ti moun piti, personne pas jamais oublié en 85 Makout ak militaire Makout rivé touyer jeune ti moun nan Gonaïve. Ça veut dire méthode yo pas changer. Et Jean nous t'a déjà dit après que Makak la cassé 7 février 86 même méthode yo a continué. 7 février 86, haïtien te comprendre, yo te déchouqué Makout et puis tout exaction Makout te fini. Mais yo t'apprend comprendre bien vite système Makout là t'es toujours là et méthode yo pas de changer. Ça t'apprend paraître tout de suite après 7 février, l'heure après quelques actes répression, nous pral arriver dans 26 avril 86 devant Fort Dimanche côté yon marche dans mémoire victime répression régime Duvalier yo t'apprend tourner yon l'autre journée répression. Si sous régime Duvalier a la mette prend baf. Non mais Makout, parce que dans le commencement régime non militaire t'es essayé camper contre lui. Si militaire en 85 t'es participé dans des choucages, Jean-Claude Duvalier, les que Makak la t'es cassé. Après 7 février, c'est yo qui prend le principal force machine répression avec la mort. Même si Makout yo pas de chômé. Peuple en pral dit clé, gen Makout dans la meya et li pral lever contre yo. Makout mélangé avec la me a continué avec même méthode yo. En Sassinaï, n'a songé Yves Volel, Louis Genatis, La Fontaine Joseph, Roseline Vaval, Jean-Marie Montès, Serge Villard. Massacre, nous t'ai parlé de fort dimanche 26 avril 86. Tout le monde connaît massacre qui t'est fait sous population civile pour empêcher l'élection 29 novembre 87. Massacre qui fait jour 29 novembre 87 là même. Passé dans l'église Saint-Jean-Bosco 11 septembre 88, rivé 5 décembre dans Pétionville en 90. Fait moun disparaître, tant que Charles Jacquelin, Vladimir David, une autre méthode système Makout l'an utilisé, j'en nous t'ai rappelé pendant la période Papadoc l'an. Méthode d'intimidation, tant que série badisonnage contre bureau, parti politique et syndicat. Répression gouvernementale, tant que ça qui était fait contre la CAT, dans mois juin 87, l'en amphi était déclaré illégal. Intimidation avec répression sous MPP, avec accusation Virginie Saint-Pierre, répression sous population qui a revendiqué tant coup dans cabaret, arrestation et puis maspina et prisonnier la Toussaint yo. Mettez dit fait dans quartier ou bien côté peuple la réuni côté le travail, nous songez marché Salomon, marché Hippolyte, avec divers diffé saccage qui étaient fait contre bio électoral yo. Système Makout lan pral essayer remettre sous pied organisation yo. Nous songez tentative mettre sous pied parti politique en 1986. Peuple la te dit li pa pran. Et pourtant, il aurait commencé dans Vertailly, dans le congrès noir et rouge dans l'année 1990 avec parti Makout lan URN. Semblier Makout yo était en action pendant l'élection 17 janvier 88 yo, côté yo te fait une élection malachonne, même Jean Aksa yo était toujours habité fait. Tout le monde songe événement ça yo. Nous pas besoin retourner sur yo en détail. Depuis 5 années, peuple lan tape continuer bataille contre système répression Makout lan, tant coup contre système corruption Makout lan. Même gens à craser Zoa, vol à corruption te continué. Dans administration l'État, dans gouvernement, dans passeport qui gozouzoun te continué bénéficier. Et gagnons secteur dans population qui lui-même toujours continué si bien bloc, ces paysans yo. Paysans dans tout coin pays a continué si bien toute qualité répression, exaction, non même Makout. Grandon Makout, chef section Makout, yo volé terre yo, yo boule kayo, yo touye bête yo, mais tout yo massacré yo. Paysans mourir dans la tapis, des âmes, Labadi, Liancourt, Duchiti, Danti, Milo, Gervais, Piatre et Latrier. Et puis, gros massacre dans 5 années ça yo, côté plusieurs centaines de paysans ont perdu la vie yo, c'était 23 juillet 1987 dans zone Jean-Rabel. Tout le monde songeait Jean-Rabel, c'était un coup de poignard contre la vie paysan, mais tout contre volonté paysan pour prendre la vie yo dans main yo. Dans l'émission Interactualité Magazine, Jean Dominique te parlé sous Jean-Rabel avec Michel Pierre-Louis. On écoute un morceau dans la rencontre ça. Ou dit ça frappé ou dans la coma, c'est que ces paysans, ces habitants même qui râlent manchette sur habitants. Ça c'est le premier point parce que disons que moun te ka comprendre que son question seulement de Makout ou bien de l'armée. Tandis que là d'après ça on dit on chita sous ça pour nous comprendre pour qui ça d'après où habitants yo râlent manchette sous l'autre habitant pareil, qui était même groupement tête ensemble. Bon, Jean, on va prendre une grosse question là. Et moi, je crois que faut nous faire chita sous question ça même, parce que c'est lui-même qui apparent et c'est lui-même qui déroutait tout le monde. L'état très facile vraiment quand on dit bon, il a payé une équipe paysan qui vient faire une action contre des autres paysans, mais on allait au-delà de bagaille ça. Et faut monde connaît qui structure qui gagne dans le pays noir. Et particulièrement peut-être Jean-Rabel. Je ne parle pas en connaisseur de Baïsaïo. Moi-même, je ouvre les oreilles, je parle en pile monde, et pas seulement dans la zone, mais un peu partout dans le pays. Il y a un bagage qui semblait arriver Jean-Rabel et qui est capable d'arriver dans en pile partie dans le pays à tout. C'est pour ça qu'il faut nous connaître et faut nous faire attention en pile. Et ça fait me songer. Il y a monsieur Lucas, c'est Rémy, qui te dit, nous, nous vivons l'autre bois, mais il faut nous faire attention, il faut nous connaître paysannes riens, il faut nous étudier le bien. Et m'apprends le mot, moi, je crois que c'est un bagage qui est très vrai, il faut qu'on connaisse côté Wapli Pio. Sous problème ça, problème spécifique ça, m'a bon un exemple de type de démarche que certains grands dons qu'on gagne dans la zone. Imaginez un grandon qui n'était pas là, mais qui en même temps fermier de l'État. C'est-à-dire, il joue un avantage pour l'exploiter de l'État. Côté qu'on y a, il y a une équipe de paysans qui vient travailler sous ça comme deux moitiés. Alors, équipe missionnaire Jean-Rabel, lui-même, lui engagé dans ça que aurait la pastorale sociale de l'Église, qui lui-même fait un choix pour les batailles à côté peuple malheureux. Ce n'est pas un choix qui fait ici seulement, c'est un choix qui fait dans un pile pays, côté que il y a des conditions d'injustice sociale criantes, côté que au fait peuple malheureux ça, qui a demandé changement, qui a bataille pour changement, dit avec le pape souvelé, faut que ça change tout bon vrai. Il faut que l'on aille mieux, il faut que l'on la vie meilleure pour nous. Et l'Église qui, dans pastoral social, lui dit, l'a encadré milieu rural, l'a travaillé avec pour nous voir si vraiment ça a changé. Alors, travail ça qui commence à faire, travail l'ouvrier ça, sous vécu socio-économique mondial, il vient permettre de voir que gagner des conditions, que nous avons des conditions d'exploitation qui existaient dans gens que l'a travaillé, dans gens que y a exploité l'an, gens que y a viré tourner l'an société côté le pas qu'à faire un pas en avant, côté petit il pas capable à l'école, côté il pas gain rad, il pas gain perspective devant pour vraiment on la vie mieux. Alors le travail qu'a fait là, imaginez que au fur et à mesure que travail l'ouvrier ça a fait, paysan vient réaliser bon type de rapport qui existait entre lui-même et le travail que l'a fait, et finalement, grand don qu'a fait le travail. Donc, il commence à demander que bagaille a changé. Et bagaille allait jusqu'à ce que lui dit, bon, t'es ça, qui c'est tel état que nous travaillons sous lien. Est-ce que pas t'as moyen que nous gagnons jouissance, t'es ça? Ou qu'on est dans le pays d'Haïti, a fait t'es, ces bagailles fondal natal paysan. C'est pour lui que la bataille depuis 1804 et peut-être même avant. Donc, la bataille qu'a faite pour l'ouvrier, le processus conscientisation, ça, M. Vini réaliser que les capables jouir de la terre sans que le pas gagner, nous monde cap exploiter, cap prendre moitié travail et cap quitter finalement avec juste de quoi survivre. Donc, il dit ça, moi je veux gagner jouissance li. D'ailleurs, c'était l'Italie. C'est pas terre ou gagner tel autre côté à l'occuper ou pas gain drame, mais c'est ça que nous travaillons depuis dix d'antan nous voulons. Alors, vous imaginez le type de conflit qu'a développé entre paysans ça qui regroupés qui commençaient des revendications très claires et grandons ça qui bon depuis très longtemps tout lui-même, il y a des structures qui en place et qui ne pas de jambes et menacer vraiment. Mon petit Jean parle en pile, même penser que c'est important que nous chita sur question ça. Alors, en même temps que le conflit a grandi. Monsieur lui-même, l'a évalué, l'a gardé bon ça pour le faire. Et dans le cas précis de Jean-Rabel, ça qui vient de passer, c'est que toute bataille ça a mené, c'était en bas dictature, conflit au pot éclaté, conflit au pot terreté, on dit Jean Bachal, on dit Jean Larvé. Le 7 février arrivé et que Babouquette l'a tombé, voyons vin pifo. Voyons d'ailleurs, il y a des caisses de résonance dans le pays. Et quelque part, les paysans ont senti qu'ils étaient beaucoup plus forts pour faire pression, pour gagner finalement jouissance de terre qu'ils étaient demandé. Alors ça, Grandon en fait, parce que l'intelligent lui-même, monsieur a défendu des intérêts très précis et des intérêts qui très larges. Tout. Monsieur relait un paquet de paysans de l'autre zone, éloigné. Monsieur mené au sous terre et monsieur dit m'a distribué ça yo bani nous-mêmes. Ce qui signifie que monsieur écarté groupement qui était là déjà yo, et qui était pour revendiquer yo, lui mené une autre équipe qui lui-même vient favoriser par rapport à premier groupement et lui mettait face à face. Donc monsieur Claire a tête lui-même. Il a demandé me distribuer terre, moi distribuer. Il a demandé me distribuer terre par paysan, moi distribuer au par paysan. Cependant, très intelligemment monsieur éclipsé lui et lui mettait deux équipes de paysans, une en face l'autre. Une qui était toujours travaillé terre en deux moitiés et qui était venu revendiquer comme tel pour te jouir de lui. L'autre là qui vient privilégié par rapport à Jean Théier en vent et par rapport à la première équipe qui était là, affrontement a commencé petit entre deux équipes de paysans. Et c'est ça qui expliquait que l'une en face l'autre, rédit position, piquette mettait sous terre, incendie de Kaibo ici, incendie de Kaibo l'autre bord, jusqu'à ce que finalement, affrontement en fait, avec la complicité éloignée, distante de toute force que nous n'avons pas parlé auparavant. Mais avec une complicité plus immédiate de Makout qui est dans la zone. Ah, mais c'est sûr. C'est un compte pour régler avec groupement d'être ensemble. Ah oui, bon, là, un bon petit exemple. Bayo, plus profond, plus étendu que ça. Ouais, même bon petit exemple de type de bagaille qui fait que nous, groupe paysan, vient monter contre l'autre groupe paysan. Parce que c'est ça qui est important. C'est qui mécanisme que vous utilisez pour que vous fassiez un groupe monter contre l'autre. Bon, un petit exemple, vous êtes capable de multiplier plusieurs instances, vous êtes capable de voir que bon, dans toute zone très large, et donc il y a des barres qu'on s'est capable de multiplier et des affrontements qu'on s'est capable de faire au fur et à mesure. En plus, pas oublier, et 7 février en venir avec un vent d'espoir. Que bah yo te changer tout bon vrai que mot démocratie en te ka joindre réalité li. Donc gen des bail qui viennent plus ouverts, des conflits qui viennent plus ouverts et qui débouchaient sur des affrontements qui étaient plus ouverts tout côté finalement et sorti important parce que li vinn montrer que finalement on n'y pas de changer. Que Babouquette l'en tombé c'est vrai et voix yo te ka porter plus loin mais structure te rete les mêmes. Et finalement, c'est ça qu'on apprend nous contre Jodia, c'est que on y est fondamentalement pas de changer. Ma coupe peut écouler pendant un certain temps et puis on ressurgit après avec force et traditionnelle qui est. Nous, ouais, un conflit, ça, d'après ça, Michel, ça t'expliquer nous, présence grandon, mais avec une malice qui permet, et ça, c'est un qui nouveau que jusqu'à présent, auditeur a déjà été au pot qu'on connaît, qui permet, à travers manipulation de communauté paysanne, dresser un groupe paysan contre un autre groupe paysan. Mais grandon, cadeau lui-même, l'éclair sous question, réforme agréable fait, c'est lui qui fait réforme agréable. Hein? Monsieur, t'as quand même allé jusque-là vraiment, puisque les distribuait l'État et les distribuait aux paysans. Mais quand il faut qu'on fasse un problème, qui paysan ça t'est, côté où t'es sorti, et est-ce que t'es déjà gagné antagonisme avec groupement tête ensemble, et toute question ça qui était là, vous comprenez? Question Jean-Rabel là, sont questions qui graves, qui sérieuses, qui méritaient que gagne une enquête toute bon vrai qui fait sous lit, par une commission sérieuse indépendante, parce que les capables annonciateurs de l'autre conflit du même genre. Et paysannerie étant la base, le moteur du changement dans ce pays. Oui, ça c'est le premier problème. Non, mais ma réponse tout de suite que les capables annonciateurs, comme Radio Haïti a annoncé hier matin, c'est que dans Tiotte déjà, il y a une information qui prouvait nous que là, tout Makoutio paré pour réagir contre paysans, contre habitants qui a plouvigé. Et dans l'autre région pays, il y a une bonne information que même mouvement ça a préparé. Donc, d'accord à coup que Jean-Rabel est capable de constituer une espèce de laboratoire expérimental de force l'ombrage, force l'ennui, contre habitants KPCI, l'ouvrier, habitants KPCI, marché. Mais, sous exemple ou sous bail là, sous description situation, est-ce que ça signifiait que grand don yo, gros chabrak dans paysannerie, est-ce que yo même yo commencé gagner une intelligence sociale qui permet, parce que là, pas bon problème. Et ça, son vision, il y a là, oui, nous devons question de réforme agraire que l'habitant a demandé, et puis ils font bac, ils ont accepté pour perdre sous terre que ils étaient fermés dans l'État, ils ont perdant sous lit, un gens pour régler problème avec l'ennemi identifié qui est l'ennemi, groupement d'être ensemble. Est-ce que c'est bien ça me comprendre sous stratégie grandon, qu'on va expliquer nous là? Bon, et je ne vais pas passer pour mon savoir sous gens penser, réfléchir, quelle stratégie vous mettez en place. Mais si nous jugeons parfait, et vous atteignez nos objectifs. C'est-à-dire, tête ensemble, t'es bas au problème. Tête ensemble, t'es venu remettre en question toute une structure, tout un mode de fonctionnement, tout un mode de gestion de la propriété, tout un mode d'accaparation des biens, accumulation, etc. Donc, je pensais que, je ne crois que classe dirigeante dans le pays, ça, c'est des classes, c'est une classe dirigeante qui saute, c'est-à-dire qui n'est pas capable de miser sous une stratégie qui permet, dans le court terme, sembler que le perdu, mais dans le long terme, sembler que le a gagné tout. Oui, parce que là, habitant que le vin mettait sous terre, que le partager. Je crois que il faudrait comprendre si n'en perdu ça que le fait, puisque le bail au terre, donc et yo venir à les manchettes pour défendre terre que yo croit qui pour yo parce que grand don bail. Est-ce que yo vin établi des rapports de clientèle même Jacques tant longtemps avec grand don? C'est pour ça me dit qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin et que nous connaissons si vraiment et qui type de rapport? Ben, non, on dit gens jeunes tout. Oui. On dit gens jeunes. Les manœuvres, la tactique, les faits qui mettent en application. Ou pour qu'on connaisse. Et qui forme de clientélisme et qui autonomie nouveaux paysans qui semblait que bénéficient de terre qu'on y a, qui autonomie que pas capable et dégager vis-à-vis de finalement un bon papa qui va au terre que pas même demander au même. C'est ça. Deuxième question que je vais poser. À propos de problème Jean-Rabel, c'est que nous avons l'impression d'une espèce de lutte profonde entre bouc Jean-Rabel avec et arrière-pays Jean-Rabel avec paysannerie Jean-Rabel. On lutte entre la ville et la campagne. La ville là c'est Jean-Rabel, la campagne là c'est arrière-pays. Expliquez-moi, est-ce qu'on a l'impression ça? Et si vous gagnez, sous qui ça le basé d'après vous? Bon, et là, on croit que... Bon, Si on parle d'impression, oui, malheureusement, comme je dis, je ne pas tomber dans des spéculations, tout, côté je dis oui, mais qui j'en crois que yo yé, vous comprenez? Bon, encore une fois, ça que m'a dit, ça que je saute expliquer au lan, je connais, oui, je connais que son bagage qui fait, et au fait qui fait dans plusieurs parties dans le pays. Et c'est pour ça que je exposé qu'on y a une opposition ville-campagne, nous connaissons que l'existait tout partout. Nous connaissons que et son réalité, son une contradiction d'ailleurs dans le pays. Côté, et finalement, même si toute ville dans le pays d'Haïti n'est pas finie, et ville yo quand même plus qu'un bé passe en dehors. En dehors vraiment dans mal cité. Qu'on y a, ça qui est arrivé, Jean-Rabel, c'est que quelque part, il y a une série de grands dons qui, c'est des grands dons urbains, ça veut dire. Ils vivent en ville, en bouclant, et ils ont une série de terres en milieu rural. Ça ne veut pas dire que pas gagner des grandons dans le milieu rural, même qui sont capables d'user de même stratagème comme ce décret pour provoquer des conflits entre des groupes de paysans, côté où il y a un parti qui menace l'intérêt. Et dans ce sens, monsieur lui-même, principalement, là pour rejoindre Grandon la ville, lycée relais de Grandon ça, lycée courroie de transmission et finalement intérêt eux-mêmes par rapport à paysannerie qui a revendiqué droit et qui a demandé changement. Vous comprenez? Et parce que finalement, on en face de ça, et c'est ça qui a passé dans le pays à Cognière, on en face de des forces de changement. Face à des forces de la mort. Vous comprenez? Ou bien des forces, c'est la mort et absimaï. C'est ça, c'est dans ça que vous joignez et la vie et pouvoir. Yo. Et puis, ou bien des forces qui demandent des changements, qui eux même c'est des forces de la vie que vous. Et c'est ça qui a passé là. Toute force occulte, la mort, ça, j'en nourris les là, c'est eux-mêmes qui ont intervenu qu'on y a. Et des fois voilés, des fois non voilés. Et qu'à proposer à eux-mêmes des forces de vie et de changement. Oui, mais pour être dans l'affaire Jean-Rabel là, ça m'ouait dans la question, hein, c'est que, si on parle de grand don urbain, ça chita dans la boucle, là, yo établi à travers tout le temps pouvoir, une base dans la boucle là. Qui fait que, grosso modo, d'après sa rapport que nous devons recevoir, mon Jean-Rabel te vient développer un sentiment d'hostilité face à habitants qui étaient dans le groupement tête ensemble. Est-ce que c'est pour une deuxième contradiction que nous joignons et qui justifie, qui explique le massacre là? Bon, ça c'est certain, je crois que vous avez fait émission déjà, on râle sous ça. Et côté, il paraît clair que l'opposition ville-campagne, ça, t'es venu manifester, et non, une opposition, tête ensemble, équipe missionnaire, contre ville Jean-Rabel dans tout. Puisque finalement, il menaçait tout gros pouvoir, ça, qui chita en bouclant. Quand travail équipe missionnaire, travail groupement tête ensemble, non? Menacer tout et gros et grand don qui finalement représentait l'État, représentait la justice, si vous carrez ça la justice, représentait tout intérêt, c'est eux-mêmes qui contrôlent les transports, c'est eux-mêmes qui contrôlent tout bagaille. Donc, à la minute que vous gagnez un travail qu'a fait en milieu rural et qui lui-même a conscientisé, a poussé devant des revendications, yo vini en conflit direct avec ville, avec boule, avec tout système qui chita en boule et qui simplement gagne des relais dans la campagne. Avec quand même deux, trois petites nuances, deux, trois petits correctifs, parce que dans le programme, dans l'émission spéciale, premier volet que je me faire, même Rémy Lucas, qui devine témoigner Radio Haïti, et me signalait que me déballe la parole, et me signalait que l'utiliser parole là, Jean le Tépito, et l'ité reconnaître que groupement tête ensemble, équipe missionnaire, t'es fait pour bouc Jean-Rabel. L'ité énuméré une série de bagailles et a fait de l'électricité, a fait de canalisation hydraulique, a fait une série de bagages, ponts, etc., qui étaient faites par équipe missionnaire avec groupement tête ensemble. Donc même pour Villa, tu as des réalisations qui étaient tangibles, qui étaient visibles, et que même Moun Lucayo te reconnaît publiquement. C'était un rallye Jean Dominique te fait avec Michel Pierre-Louis en 87, sous raison, ça qui était en bas, événement ça, tout le monde songeait, massacre 23 juillet 87 dans la zone Jean-Rabel. Et pendant toute l'année qui vient après, jusqu'à 91, paysans pape suspendent subit répression, il est levé campé. Nous songeons toutes revendications qui faites sous question chef section yo. Revendication qui pas fini malgré chef section passé sous l'ordre la justice. Yo changé maître mais yo pas semblé yo changé métier. Kounien c'est problème pifon qui posé. C'est comme ça gouvernement Aristide la gen mandali démocratisation et structure l'état yo. Nous connaît ces pratiques démocratie qui pral permettre retirer l'esprit makout là, comportement makout là dans mi-temps nous. Mais gen secteur dans pays a côté makoutis là, fort en pile. Dans le système la justice là, côté corruption maconné avec répression. Dans bureau l'État yo, côté corruption blainette. Bureau l'État que Duvalier te fait makout cadeau. C'était une façon pour être capable remercier makout, ba yo un chèque dans l'État. Mais tout, c'était une façon pour système nan te capable bien pourri. Pour en rien pas empêcher vol, corruption ak répression que Duvalier te besoin pour kembe pouvoir li. C'est dans nan organisation l'état yo, système makout la continuer fonctionner juste journée jodi a. Et c'est là pour nettoyage la continuer faite pour arriver tout bon vrai capable di un jour makout pas la donne.